Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures de Guy Brigand. Épisode 22 déjà. Je pense qu'on va, battre le record de, de stream d'un personnage avec ce perso. Écoutez, je vais me dépêcher. Je suis potentiellement, je pense, attendu. Tac. Ça, c'est bon. Ensuite, coucou Perrault, comment vas-tu? TS, c'est bon. Rockstar Launch pour lancer des trucs. Oh, t'as raté un grand moment hier soir. Ça c'est bon. Petite semaine, ouais. Petite semaine, effectivement, mais bon, déplacement quand même, pour ma part. Je vais... Hop. Et la musique. Ah ben, Monsieur Shepard qui m'a demandé... de... Comment dire? Il m'a demandé de faire des magouilles pour destituer le maire et le maire adjoint de Saint-Denis. C'était rigolo. Voilà. D'ailleurs, il faut que je le voie, le maire. Je t'en dis pas plus, du coup, tu vas comprendre mon idée. Mon idée brigandesque. Ouais, déjà. Attention à vous, Monsieur Shepard. Hop là. Allez, il y aura une petite surprise normalement ce soir. Ce soir, on prend des risques. Hello. Qu'est-ce qui... Hop là... Ça va suffire pour ce soir... Qu'est-ce qui... Hop... Hop... Voilà... Pas bouger mes réglages graphiques. Paramètres. Graphisme. Il n'y a personne. Si Godmich est par là. Il se connecte pas trop tard, lui, en général. Je
Je sais plus où c'est exactement. Plein de mairie, là, à chaque fois, je... C'est de bonheur encore. Monsieur Godmich. Dans le gros, tu crois? Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il joue, s'il a joué là-bas. Oui, possible. Oui. Monsieur Godmich. Bonsoir, monsieur. C'est vous, monsieur PJ, c'est ça? Monsieur quoi? PJ Goldsmith. Non, c'est pas moi. Ah, merde. Et vous êtes qui? Qu'est-ce que vous lui voulez, monsieur Godmich? Andrew Colby, en fait, il a fait une annonce comme quoi il y aurait moyen de reprendre la Bastille, alors du coup, voilà. Ah, d'accord. Il a fait il y a longtemps, cette annonce? Ah non, il l'a fait il y a 1 heure, 2 heures. Ah. Je l'ai vu il y a 1 heure. D'accord. Ouais. Bah écoutez, de toute façon, vous êtes au bon endroit, hein. La mairie est dans mon dos, hein, donc... Oui, je sais. Et vous êtes arrivé fraîchement en ville, non? C'est la première fois que je vous croise, vous. Oui. Ça fait déjà 3 jours. Ça fait 3 jours que je tourne en rond. Comme tout le temps, en fait. D'accord, je vois. Me fait chier, voilà. Mais vous allez reprendre la Bastille, mais... vous comptez... rester un petit peu ou faire comme le dernier là qui l'a reprise. Vous pensez que si je voudrais prendre la Bastille, ce sera pour pas rester? Je ne sais pas. Hein. Le dernier nous a dit pareil et puis au bout de 3 jours. Non. J'ai quitté Texas pour m'installer, pas nécessairement à Sunny, mais plutôt dans la quête d'un petit peu de changement, c'est tout. D'accord, je vois. Bon, mais en tout cas, mon cher, je me présente, Guy Brigandeau, je travaille à la banque de Saint-Denis. Donc, mon cher, si vous avez besoin d'un petit prêt, n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai pas confiance en banquier et encore moins en prêt. Hein? On va avoir du mal à s'entendre alors, vous deux, mon cher. Ouais, disons que c'est surtout une longue histoire encore avec l'époque de mes parents, mais bref. Ah, je vois. Bon, bah écoutez, tant pis. Du coup, on ira acheter nos plats ailleurs, alors, si vous nous faites pas confiance. Hein. Ah non, j'ai pas dit que je faisais pas confiance à vous. J'ai dit que je fais pas confiance aux banquiers, et encore moins à ceux qui me proposent des prêts. C'est tout. Ah oui, mais c'est un peu le principe. Je déteste avoir des dettes envers les gens, et j'aime pas que les gens ont des dettes envers moi. Ah oui, je vois. Bon, bah écoutez, mais j'espère que vous avez les poches pleines de dollars, mon cher. Pas du tout. Ça va être compliqué, à mon avis. Si vous voulez reprendre la Bastille, si vous avez pas un rond... Gratuit. Si vous voulez pas, qu'on vous la... Qu'on, gratuit, la Bastille est gratuite. Oui. Ah bah, c'est ce qui a été dit dans le télégramme. Oui, bien sûr. Comment c'est votre nom, déjà? Andrew Colby. Monsieur Colby. Tiens. Je pense qu'on sera amené à se revoir, monsieur Colby. Oh, peut-être. Certainement, je sais pas. Merci. Bonne soirée, monsieur. Merci. Tiens. Salut Guy. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Vous avez pas vu Godmich? Et je voulais lui parler. Et... Non. Bon, vu tout à l'heure que je me suis, t'es toujours pas là, monsieur Godmich. D'accord. Y a du vent dans ta bouche, mon cher. Hein,
Ça va mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. Vous l'avez vu tout à l'heure, la Godmich? Non, on est venu ici tout à l'heure, il était toujours pas là. Hein. Monsieur Colby, là, je sais pas où il a dû aller se rouler dans un fourré. Original, le monsieur, il veut reprendre la Bastille et il veut pas faire de prêt. Et voilà. La Bastille, tu parles de la prison en France? Non, je parle du saloon de Saint-Denis, mon cher. Ah. Je me disais aussi, c'était bizarre. Oui. Assez incohérent, quoi. Oui. Est-ce que c'est... Oui. Bon, sinon, vous, ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé de beau hier soir, après que je sois parti? J'ai rien compris ce qui s'est passé. Une dispute entre Seymour, M. Lévy, M. Maxwell. Je sais pas, ça s'est braqué, ça s'est crié dessus, ça s'est braqué, tapé, ça s'est tiré dessus. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Oulala. Moi, quand je suis parti, on n'en était pas là. Luthérance s'éloignait avec une demoiselle en robe jaune. Oui, c'est pour être la fille de notre patron, quoi. Mais finalement, je me suis dit, tout se passe bien, mais non. Ah oui, d'accord. Bon. Bah écoutez, oui, mais Seymour va bien, rassurez-moi. Oui, oui, il va bien, il va très bien. C'est juste que je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. D'accord, bon, écoutez. Et apparemment, j'aurais sauvé, mis dans la merde en même temps, mais finalement, j'ai bien fait, enfin, j'ai rien compris. Oui. De A à Z. Donc, je laisserai Seymour le soin de t'expliquer quand il reviendra. Oui. Parce que moi. Lunaire. D'accord. Bon, par contre, messieurs, j'ai entendu dire que le petit Poufi voulait rentrer chez lui. Bah, il va nous filer l'acte de propriété de sa mine avant. Oui, il va falloir qu'on essaie de le toper, celui-ci, ce soir. Là. Ouais, c'est quoi le plan? Bon, bah, essayer de lui faire signer des papiers à l'insu de son plein gré, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça se dit, ça. Ouais, si. Tu veux pas qu'on en parle tranquillement dans les bureaux plutôt qu'en plein milieu de la rue? Oui, c'est vrai. Bon, y a personne en même temps, mais bon. On pourrait aussi aller parler ailleurs en chassant ou en faisant autre chose, parce que c'est pas qu'on s'emmerde ici, mais ça y ressemble. Hein. Moi, je chasse pas. Je vais salir mon costume. Yeah. Qu'est-ce qu'il a? Il est ronchonchon, Philippe, ce soir? Oh, bah, tu sais, il a la bougeotte, hein. Et bon, ça fait plusieurs jours que je trouve Monsieur Lévy bizarre en même temps, donc. Ouais, je pense que Monsieur Lévy, il faudra pas qu'on tarde à s'en débarrasser non plus. Et tu sais pas pourquoi, t'as pas compris, tu sais pas pourquoi ils sont fâchés. Non, j'ai pas compris. C'est juste qu'à un moment donné, c'est mort à péter les ponts, commence à braquer Monsieur Lévy. Et docteur Van Redoutsen. Celui-ci, je peux pas me l'encadrer, par contre. C'est un vrai con. Monsieur Van Hout, là. Van Root, ou je sais pas comment. Oh, bonjour, monsieur White. Ça va bien? Oh, bah, tout va bien, comme d'habitude. Ok. Putain, celui-ci, je le prends à chaque fois pour. Monsieur Berk. Théophile. Ah bon, mais j'ai des cheveux, hein, vraiment. Hein. Vous êtes frères jumeaux ou quoi? Ah, vraiment pas. Hein. Ah. Je sais pas, vous avez la même trombine. Bon, mais ça va, vous, je vous aime bien, je vous respecte. Ça aurait été Burke, j'aurais chié à la gueule. Ah oui, je comprends, bien sûr. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Après, Philippe, si t'as la bougeotte. Oui.
Tu peux éventuellement, si ça te chante, essayer de monter vers Annesburg, Van Horn, essayer de voir où est-ce qu'ils sont installés. Il a cette famille de je sais plus comment ils s'appellent, là, les Lawson ou Dawson ou quelque chose comme ça. Là. D'accord. Que je pense qu'il va falloir qu'on les ait à l'œil, ceux-là. Bah, pourquoi pas. Et on parlait tout à l'heure d'acquérir un nouveau revolver. Où est-ce que je trouve ça, Terence? À l'armurerie. À l'armurerie, oui. À laquelle mais... Pour le Lévi, c'est Saint-Denis. Le Lemain, c'est Armadillo. Hmm. Et ouais, apparemment, et... de ce que j'ai entendu dire, pour un canoncier, c'est à Saint-Denis qu'on peut s'en procurer. Ah, finalement. Oui, mais le problème, c'est qu'en ce moment, Kwaku, il boude dans sa couche, hein, j'ai l'impression. Oui, mais Duffy, il fait quoi? Oui, lui, ça fait un petit moment que j'ai pas vu aussi, oui. Bon, ça, cette histoire d'armurerie, ça commence à me gonfler. Je crois que je vais en parler à M. Godmich, je vais lui dire que c'est moi qui reprends l'affaire. Oui, mais enfin, on va pas pouvoir tout contrôler, hein, messieurs. Ah, c'est pas le but? Non, c'est pas le but. Le but, c'est de s'en mettre plein les fouilles. Bah, si tu contrôles tout, tu t'en mets systématiquement plein les fouilles. Enfin, ça me semblait... Oui, oui, mais... Ah, parce que pour l'instant, je veux pas dire, mais ça marche pas tellement. Pourquoi? T'as l'impression qu'on est riche? Moi, j'ai le compte en banque qui déborde. Hein. C'est vrai? Oh, bah, oui. Putain, si tu dois rien dépenser. Hein. Alors, écoute, si tu peux le faire déborder un peu sur mon compte... Et le mien aussi. Et moi, il doit me rester 35 dollars en tout sur mon compte en banque. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Bah, je sais pas. Je dépense pas tant que ça, hein, pourtant. Ouais, pareil. Oui, non, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de reprendre l'armurerie. Ça va te cantonner, t'obliger à rester régulièrement là-bas. On a besoin de toi quand même, mon petit Terence, oh même bah... si t'es souvent désagréable et souvent ronchonchon, on a besoin de bonsoir, notre petit Terence. Bonsoir, Milord. Oh bah, tu sais, ça va être simple. Pendant une, je fais un crieur public, je dis de telle heure je suis là, puis après ils se démerdent. Oui, enfin bon. Ouais, ouais, c'est une bonne idée ça. Quoique, c'est pas dit qu'ils reprennent pas, hein. Mais il n'y a pas Kwaku, il n'y a pas Monsieur Duffy. Et peut-être que vous pouvez faire ça, Monsieur Philippe, si vous voulez, vite fait. Là. Je vais voir les fameux Dawson. Oui, oui, où est-ce qu'ils habitent? Eh ben, je vais garder ça en tête. D'accord. Néanmoins, il faut quand même que je trouve un revolver un peu plus puissant. Et sinon, Milord, vous avez vu Monsieur Godmich, hein, ou pas? Non, parce que nous sommes rentrés sur Saint-Denis, on m'a dit qu'il en avait pour plusieurs, pour un très long moment de rendez-vous. Oui, oui, enfin, oui, j'ai vu, oui. Donc, non, mais j'espère faire cela ce soir. Oui, j'espère aussi, oui, il faudrait que je lui parle de ma petite affaire avec le vieux Shepard. Et oui, j'ai vu la liste des choses à faire de Seymour, mais les rails, c'est Grover qui les a, et Grover, je l'ai pas vu depuis deux jours. Oui, mais ça... Ça, c'est un peu normal, oui. Ça, c'est un peu taqui. Hein? Enfin, pas qu'à moi, hein, vous étiez beaucoup sur ses côtes avec Seymour aussi. Bon, allez, moi, je vais à la mairie, hein, je vous laisse régler ça. Oui, on a entendu. C'est pas moi qui ai tiré dessus, quand même. Bah en même temps, t'as vu comme il a pété les plombs pour juste une petite blague alors que c'est moi qui prenais le plus soin de lui. Mais... qu'est-ce que... Et il en a beaucoup de rails sur lui, c'est... Il avait tous ceux que Seymour m'avait confiés. C'est-à-dire ? Une trentaine. Ouais ! C'est pas vrai, mais il faut aller taper dans les... Dans les guitoules, là, ou dans un... Comment dire, une barque... dans les trucs où il dort, là, voir qui se réveille à récupérer ça, au moins. Hein. Au pire, je peux aller en fabriquer vite fait. Bon, on n'en a pas spécialement besoin ce soir, je crois, si. Bah, apparemment, c'est prioritaire. Il s'agit de ça qui est la bestie.
Votre taxe dimanche n'est pas... Ouais, c'est pas le jour de paye aussi, normalement hein. Non, c'est le jeudi soir. Bordel, c'est-à-dire que j'ai loupé un salaire. Ça, je ne sais pas. Écoute, c'est ah pas ouais, c'est pour ça que j'ai pas d'argent. Tu te débrouilles avec Milord. Hein. On va aller vite fait à la mairie. Enfin, moi, en tout cas, faut que j'aille à la mairie, là, rapidement. Là. Faut que je voie Monsieur Godmich. Attends, je relis le carnet. Comment de victuailles je pense que on va être en manque dès ce soir, donc faudra que j'aille voir Mano Zelkina. Déjà En manque de quoi? Il en reste, il reste que 16 plats. Hein, moi j'en ai pris un petit peu, si j'ai qu'à en prendre un petit peu, les 16 plats, ce soir il n'y en a plus. Oui, mais t'as vu le ventre que t'as aussi? T'en manges combien par jeu? Bah je suis là plus longtemps. Je veux pas savoir, c'est... Regarde, moi je suis là aussi, regarde la ligne que j'ai. Oui, bah moi faut que je mange, faut que j'entretienne ces muscles. Oui. Bah si tu pouvais passer à nous les ramener, ça serait cool. Le pétrole s'est déjà annulé. Mais qu'est-ce que tu fais, Kizao? Tu veux arrêter? Tu vas arrêter ou quoi? Pardon? Oui, les commandes de pétrole, c'est déjà annulé. On joue à l'armurerie, je crois. Incroyable. Déjà annulé? Bon, viens, on... Oui, Seymour m'en avait parlé hier soir, donc j'ai annulé quand j'ai croisé M. Burton cet après-midi. Oui. Il m'a dit que ça l'arrangeait, en plus. D'accord. Il manque plus qu'à vérifier les échéances. L'histoire de Poufi et... celui de la banque. Ok. Allons vite fait à la mairie. Je passe un petit coup de brosse sur le canasson. Allez, dépêche-toi, puisque Milord, il va nous griller la priorité. Là. Il est beau, Milord, hein, sur sa mule sans sel. Ça doit lui faire mal aux couilles. Moi, par contre, j'ai pas d'argent pour payer les impôts. Hein. Non, on en est exonéré ce soir. Ah. Pas cette semaine. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, Milord? Putain, il est pas là. Mais là, il nous fait une annonce qu'il est là, bien sûr, il est pas là. C'est Godmich. J'aimerais bien savoir ce qu'il manigance avec les petits points. Oui, mais effectivement, ça fait partie des questions que j'aimerais lui poser. Un mal propre. Qu'est-ce que c'est? Regardez-le. Accoudé à la fenêtre. Ceci est un braquage, monsieur Godmich. Eh bien non, je vous contrebraque, mon cher Cavendish. Non, monsieur Cavendish, j'ai été pris en otage. Bonsoir, monsieur Godmich. Comment allez-vous, mes chers amis? Oui, venez dans mes bras, venez, oui, monsieur, oui. Monsieur Brigando. On se fait la mise ou oui, comment venez, ça se passe? Venez, venez dans mes bras, oui, oui, oui. Allons à la française, oui, monsieur Cavendish, venez, je vous sers bien fort, oui. Venez, monsieur Terence, oui, vous aussi, oui, vous avez le droit à votre petit câlin, oui. Oui, oui. Oui. Venez, monsieur qui, je ne sais pas qui vous êtes, mais venez, je vous prends dans mes bras. Oui. Ah si, vous êtes le monsieur du télégramme, c'est ça? Mm-hmm. Oui, qui venait pour la Bastille, c'est ça? C'est ça. C'est merveilleux. Encore un repreneur pour la Bastille, bah, ça ne ferait que le 20e. Hein. Exactement, je commence à être là, d'entendre des bêtises, des personnes soi-disant motivées pour redynamiser la capitale et faire de la Bastille redorer la réputation. C'est faux. Il m'abandonne à tour du bras. Vous voyez ce que je vous disais, monsieur? Il faut être sérieux et motivé. Vous avez vu dans quel état il est, notre maire adjoint? Je suis à deux doigts de la crise du nerf. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur André de Woodchen. Je sais pas, je peux pas trop juger, je viens d'arriver dans le pays, donc je fais pas de prêt. Oui, c'est merveilleux, mais venez, vous allez attendre dans le salon du temps que je reçoive ces messieurs de la banque. Très bien. Eh bien, à mon avis, occupez-vous plutôt de cette Bastille, parce que nous, ça va durer longtemps. Ben moi, j'en ai pour deux secondes, monsieur Godmich. Mais il attendra, hein. Vous êtes le conseiller municipal, après tout, vous êtes prioritaire.
Oui, c'est vrai. Et vous permettez, Milord, je vais faire vite, comme ça je vous laisse Bien préférer. Sûr, oui, bien sûr. Ben, je voulais vous voir, Monsieur Godmich. Sachez que si vous entendez des ragots à mon sujet, c'est complètement faux. Je vous explique. J'étais à Valentine hier soir avec Milord. Et Monsieur Shepard vous a proposé de prendre ma place hein, et de m'y vincer. Comment ? Mais vous êtes déjà au courant ? Oui, je suis Monsieur le Préfet, je sais tout, oui. Je sais que vous en a parlé. Mes petites souris à droite à gauche qui s'immiscent dans les conversations des autres sans que vous le sachiez. Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas... Le grand moineau. Sachez, mon cher, que... Mon intérêt n'est pas de vous trahir, bien au contraire. On a des petits soucis avec le banquier de Valentine. J'ai dit à M. Shepard que pour que je vous fasse ce qu'il fallait pour vous destituer, ce que je ne ferai pas, bien entendu, et il fallait qu'il me nomme banquier de Valentine. D'accord ? Vous me suivez ? Oui, je vous suis. Bien. Donc, une fois que je suis nommé banquier à Valentine, je fais une petite razzia dans les pièces d'or, histoire de remettre le marché, on va dire, à niveau. Je prends la poudre d'escampette et je laisse ce vieux Shepard dans sa boue et je laisse se débrouiller. Et vous allez être recherché pour vol dans tout le pays. C'est pas grave. J'irai, je trouverai une solution, mon cher. Et très bien, mais ma foi, si vous savez ce que vous faites, attention tout de même à ne pas vous faire pendre, cela serait idiot. Oui. Monsieur Shepard n'en vaut pas la peine. Oui, c'est vrai. Enfin, je le fais pas pour Shepard, je le fais pour Milord et pour essayer de rétablir un petit peu le cours de la pièce d'or. Et je le fais aussi pour la ville de Saint-Denis, mon cher. Mais c'est tout à votre honneur, oui. Nous ferons construire une statue vous ressemblant comme du couteau une fois que vous serez mort. Oui. Ah, merci, tu me préfères. Une haie d'honneur sera également. J'y compte bien. Oui. Bon. Monsieur Shepard, qu'a-t-il contre moi ? Je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas. Je pourrais être très franc avec vous. J'ai discuté rapidement un petit peu hier avec lui. Il est très amer après notre belle ville. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait d'autres projets personnels dans cette ville et n'a pas réussi. Donc du coup, c'est probablement parce qu'on l'a viré au coup de pied au cul hein, du Saint-Denis et qu'il est allé dans la première ville qui a bien voulu l'accueillir. Hein. Oui. Bon, ça, c'est sûr, oui. Après, M. Tucker, il a traîné au lasso de son ancienne épicerie jusqu'au bureau de shérif. C'est drôle. J'aurais payé pour voir ça. Ah, mais... Il me manque, monsieur le maire, il me manque terriblement. Coucou, Italie. Il nous manque à tous. Oui. Paix à son âme. Ouais, il est mort ? J'en sais rien. Mais pas encore. Non. enfin, voilà. Je vous remercie de votre franchise ? Oui, non, mais pas seulement votre dévotion. Ah oui, mais ça me paraît normal, hein, monsieur Godmich. Monsieur Cavendish a essayé de vous dissuader. Je pense de faire main basse sur tout l'argent et l'or. Absolument pas. Mais... Oui. Ah bah si, bien sûr. Ah, vous faites sauter la bouteille de champagne, hein, moi c'est le temps, hein. Je l'ai dit bien sûr que c'était pas bien, hein, que ça ne se faisait pas, hein, mais comment dire, c'est une personne têtue, Monsieur Brigando, hein. Moi, je suis au courant de rien. Oui. Bon, très bien. Mais merci beaucoup, Monsieur Brigando. Mais je vous en prie. Bon, je dis je pas que. Je ne manquerai pas de redoubler de vigilance à l'égard de ces satanés Shepard, d'autant plus que j'ai ce soir rendez-vous avec le maire Bouba Buckley Blue pour discuter du contrat de cession de Rodin. Oui. D'ailleurs, sachez d'une chose, messieurs, je compte fermer la banque de Rodin et vous laisser l'entier monopole sur le comptier. Ah, c'est une très bonne nouvelle, ça. Enfin, la banque de Rodin sera la vôtre, si vous préférez. Oui, bien sûr. Oui. Parfait, bon. Pardon, vas-y, c'est coupé. Oui. Voilà, ben non, mais c'était tout. Hein. C'était juste pour vous signaler que si vous entendiez des choses, voilà, ne pas vous inquiéter. Très bien. Monsieur Cavendish, dites-moi, est-ce qu'il vous reste des lingots d'or ?
Et non, pas du tout, hein, étant donné que je n'ai toujours rien récupéré de la part de ces apaches, et que pour le moment, je vous avoue que je n'ai aucune idée de comment circulent les lingots à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai pu... Est-ce que la mairie peut garder vos 20 lingots d'or? Dans quel intérêt? Eh bien, si vous voulez tout savoir, les montants sont assez élevés pour acquérir les terres du Rodin. Malgré que ce soit le vœu du gouverneur, il a bien stipulé qu'il ne nous sera pas donné aussi facilement. Hérode va être acheté au montant de 200 lingots d'or et 5 000 $. Oui. Et les 5 000 $, vous allez les sortir d'où? J'en fais mon affaire, mais je dois vous avouer que vos 20 lingots d'or nous seraient très précieux et seraient vite amortis par le fait que nous allons redynamiser Rhodes et faire de cette ville la première ville agricole de toute la région. Oui. Nous pouvons d'ores et déjà compter sur les deux familles les plus prolifiques du monde, les Redwood, victimes de leur réputation de fermiers chinois, d'ici à toutes les régions les plus à l'ouest, excusez-moi, et la famille Lane, que oui, je compte parmi mes plus grands amis. Et au final, je me serais fait littéralement enculer tout le vol de ma banque. Hein. Alors, non, alors non, attendez, j'ai peut-être une idée, M. Cavendish. J'ai une question à vous poser, M. Godemich. Oui. Quand vous aurez investi les lieux de Sissika, cette maison-là, elle sera à vendre? Oui, probablement. Ben pourquoi pas nous laisser la maison? 20 lingots d'or, ça me paraît maigrichon pour une maison de cette valeur. Hein. Bon, disons une centaine. Vous ne préférez pas plutôt que pour ces 20 lingots d'or, je vous offre la banque de Rhodes? Non, j'avoue que l'idée de maison est très intéressante. Très bien, 100 lingots d'or. Mais par contre, vous parlez de laquelle, M. Terrence, pour être exact? Celle où nous sommes. Celle-ci, sachant que je suppose que la mairie deviendra le grand manoir du côté de Rhodes, c'est cela? Non, la mairie, nous allons investir à l'île de la Sissika, comme il appelle. Mais je l'ai renommée l'île du Pipi-Caca. Écoutez, oui, pour 100 lingots d'or, je pense que cette bâtisse en vaut largement la peine. Hein. Qu'en pensez-vous, monsieur le préfet? Et si, t'accordes, oui. Il nous faut ces lingots d'or pour le contrat avec Valentine. Et puis, les bons comptes font les bons amis. Disons 100 lingots d'or, nous vous cédons cette propriété, oui, qui sera la vôtre. Hein. Ah, écoutez, votre petite gourmandise. Bonjour, bien aïe. Oui, comment vas-tu, grandirie? Tu vas bien? Ah, oui. Laisse-moi te caresser la tête. Ah oui. Ah, t'as fait guider. Ah oui. Bon, moi je vous laisse, je remonte à la banque. Ah oui. À tout à l'heure, Milord, monsieur le préfet, Grandry, à tout à l'heure, peut-être. Oui, prenez soin de vous, mon ami. Et monsieur Brigandeau, vous avez un nouvel objectif. Excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Trouvez-nous 80 lingots d'or. Ben oui, alors attendez, faites voir. Oh, mais lève ton pied, je vais les trouver sous le sabot d'un cheval, Milord. Mais j'y crois pas, ça fonctionne. Regardez. Ah oui. Si vous voulez, je vous sors un lingot de mon cul. C'est incroyable. Regardez. Continuez, monsieur Brigandeau. Oh, quoi? Un lingot d'or. Combien? C'est à peine incroyable. Oh, bah plus, oui, que, plus que 79 lingots d'or. On va te mettre dans un enclos, hein, et puis tu vas lever les pieds en l'air. Allez, en route, ouais, qu'on a du boulot. Garde-moi ça, mon bon Guy. Merci. Oh putain, si on m'avait dit que t'avais des lingots d'or sous les chevilles, toi. Et comment c'est votre nom déjà, monsieur? Bah, vous êtes de la peine, hein. Oui, j'ai de la peine, oui. Andrew Colby. Ah, Colby, voilà, oui. Colby. Vous êtes originaire d'où, du Québec, non? Texas, ça c'est une insulte, ça. Ah bon? C'est pourtant beau, il paraît. Pas tellement, non, c'est au nord, moi j'aime pas trop le nord. Ah,
Bon, excusez-moi, monsieur Colby. Et je cherche quelqu'un originaire du Canada ce soir. Ah non, Texas. Désolé, vous l'avez perdu. Vous êtes en face d'un vrai Américain. Amandou, tu vas? Oui. Allez, on y va. Et un plus tard. Bah, tu veux moi, monsieur? Ouais. Bon, bon. T'as vu comme j'ai bien négocié pour avoir la maison et enfin avoir un vrai lit? Oui, et bah, tu vas pouvoir bosser parce que les 100 lingots, on va pas les chier, mon petit. On peut toujours aller voir Barbe Noire, non? Barbe Noire, mais Barbe Noire, à mon avis, en a plus un lingot, oui. Ah oui, tiens, j'ai rendez-vous avec monsieur Burton. Ah, tu entends siffler le train, c'est pour ça? Oui. Pour discuter affaires. Oula, tu te lances dans les affaires, toi, t'es sûr? Bah, c'est pour cette histoire de sac de charbon, de lingot de fer, pour écouler tout ça. Oui. Attends, fais voir, je vais poser au coffre. Et puis on n'en a pas un en avance. Hein. C'est vraiment 99 lingots hein, qu'il faut qu'on trouve. Vas-y, fais voir, relève de... Attends, j'ai la jambe. Hein? Sinon, je suis cool à botte, hein, peut-être un an... Y'a rien non. qui tombe là. Hein. Ouais, non, c'est... Ouais. Je comprends pas. Merde. Aïe. Non, c'est 79 qu'il faut. Ouais. Je casse la croûte. Bah, va voir la vieille rose. T'as compris? Non, j'ai pas compris, non. Et t'as dit, faut que je casse la couche, j'ai dit d'aller voir la vieille rose. Oh là là. C'est triste. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Ah non! Et pas de ah, panique, Terence, quand même. Mais écoute, on va attendre que Seymour arrive. J'irai bien vite fait voir si j'ai des télégrammes, ce qui m'étonnerait. Mais bon. T'as pas lu le note sur le bureau? Seymour, il est pas là ce soir. Ah bon? Oui. Ah. On va au bureau de télégramme, hein. D'accord. Combien on peut cumuler de comment d'entreprises au total? 2? 3 je crois. Oui, je peux être... Attends. Ah merde! Oh putain, alors ça... d'accord. Ouais. Éteins. Et quand c'est qu'il a dit qu'il était pas là? Bah il a laissé une note sur le bureau, donc je sais pas... Non mais il a dit je serai pas là ce soir. D'accord. Ils
Et du coup, Philippe, tu sais où il est? Bah, tu l'as envoyé voir où est cette famille Dawson. Oui, d'accord. Bon, j'espère qu'il en aura pas pour très longtemps. Non, viens, je vais t'expliquer. Non, ferme pas les portes. Ah. Ou laisse-en une ouverte. On sait jamais. Viens, viens par là. Oh, c'est qui ça encore? Ah, c'est Monsieur Moore. Oh. Ah, c'est bon. Bonsoir, Monsieur Moore. Alors, venez demander un petit renseignement. Dites-moi. Mais si, mais bonsoir. Bonsoir, tonton Moore. C'est vous qui rachetez les pépites. Les pépites, on rachète plutôt les lingots d'or. Ou les lingots d'or, oui. Oui. Et est-ce que vous savez la provenance des lingots d'or à chaque fois? J'ai envie de vous dire que du moment que ce soit des bons, beaux lingots qui brillent, la provenance, je m'en cogne un petit peu, hein. Ouais, non, c'est parce que, voilà... Il est pas trop fort. Je vais prendre une licence à Nesbok. C'est quoi? Vous voyez, une licence pour aller chercher des petites pépites. Oui. Mais malheureusement, impossible de trouver l'endroit de la rivière. La fonderie? Ah oui, mais ça pour la licence. Alors, je vous préviens tout de suite, la licence, ça sert à rien. Ah bah. Ça, c'est bien gentil de me le dire après que je l'ai acheté. ça coûte de l'art quand même. Non, c'est vrai? Ouais. Ah oui. Et c'est embêtant, hein. Une licence qui, soi-disant, qui vous donne le choix de chercher de l'or, soit dans les trois alternatives, ou alors à Nesbourg. Oui. Ouais. Et vous dites que ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ah, moi, je sais pas, c'est Terence qui dit ça. C'est Monsieur Cavendish qui m'a dit ça, que ça servait à rien. D'accord. Donc, vous avez un certain nombre de pépites, c'est ça, à écouler, c'est ça? Ça sert à rien du tout. J'aimerais bien trouver l'endroit, moi. Ah mais ouais, te dire que de toute façon... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'or à Nesbourg. Alors, moi, de ce que je peux vous dire, messieurs, d'accord, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'à Nesbourg, il y a la fonderie. Hein. Ouais, ça, c'est vrai. Aussi. Voilà. Après, concernant les filons... vu qu'ils ont tendance à... Comment dire... Aide-moi, Terence. À s'épuiser. Voilà, merci. À s'épuiser assez rapidement. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un filon d'or pas loin d'ici, mon porc. Hein. Donc, parce que moi, sur ma licence, ça s'est bien marqué. Licence permis d'orpaillage pour Monsieur Clintmore à l'emplacement de Hannesburg. Moi personnellement, je vais vous avouer qu'après avoir cherché, je n'ai vu aucun filon d'or aux alentours de Nesbourg. Pourtant, j'ai bien cherché. C'est bien gentil de me le dire, au moins ça me rassure, je suis pas aveugle. Parce que là, j'ai cherché pendant la journée complète. Alors, là, moi, écoutez. Mon temps pour rien, merde. Je vais vous dire. Surtout des dollars. Oui, ben oui. Et c'est 50 dollars, si vous me dites que ça sert à rien. Mais déjà que fortune. Vous êtes sur la paille. Ouais, j'allais vous dire, on s'est tous réunis pour qu'il achète cette licence, et maintenant on s'aperçoit que ça sert à rien. Oui. Vous avez des contacts avec les sauvages? Est-ce que j'ai... Oui, des contacts physiques. Oui, mis à part. Est-ce que j'ai une tête à avoir des contacts avec ces putains de sauvages? Écoutez, Monsieur Moore, moi, je vous sens dans l'embarras. Vous venez me voir, j'essaie de vous trouver une solution. Oui, mais... Si on a pris distance, si j'ai marqué... Facebook, c'est justement pour éviter d'aller voir, c'est peut-être sauvage. Ouais, c'est ça, sinon on n'aurait jamais fait d'or, hein. Jamais, écoutez-moi bien. J'étais peut-être le seul Américain de tout l'Ouest à ne jamais avoir échangé la moindre patate ou blé ou maïs avec cette bande de sauvages. Rien vous êtes sûr? Ouais, même craché pas par terre, monsieur Moore, ouais, quand craché, même. Ouais. Ah ouais, mais...
Voilà. Oh là là, vous êtes dégoûtant. Hein. Bah non, c'est bien. Bah non, c'est ça pas c'est... bien. Non, vous êtes à Saint-Denis, monsieur. Hein. Et alors bah vous et êtes alors plus à Valentine, hein. Un bah, peu de tenue, quoi, hein, quand même. Qu'est-ce que vous avez l'air de dire qu'à Valentine, c'était quoi? Je n'ai rien dit du tout, je dis ah, juste... Ah si, si, vous l'avez dit, vous l'avez ah, dit, non, vous l'avez entendu, on se sera répété, c'est... déformé. Ou si vous voulez, je me... Non, c'est pas, je plaisante, c'est bon. Non mais c'est très embarrassant si vous me dites que la licence, c'est... Vous connaissez c'est... M. Lévy? Monsieur Lévy de Saint-Denis, ça vous parle ou pas? Pas du tout, non. Écoutez, ah je non, sais que ce monsieur comptait exploiter un filon. Peut-être vous pourriez essayer de trouver monsieur Lévy et voir avec ouais, lui. Hein. D'accord. Moi, écoutez, je suis franc avec vous. Je vous donne toutes les oui informations que j'ai. C'est bien gentil. Hein, bon, merci, monsieur. Moi, après, nous, on nous emmène les lingots. On ne demande pas d'où ça vient, où est-ce que ça a été orpaillé. On les rachète, oui, non, on les non, met mais... au coffre. Et puis, non, de temps mais... en temps, on envoie ça à la banque centrale. Mon petit monsieur, je préfère encore crever de faim. Crever de faim jusqu'à la moelle. Terence, va dire à ton chien qu'il arrête d'aboyer, putain, nom de Dieu. Ouais. Et ce chat, il va se taire, là, ouais, bordel. Et le chat a couché. Ouais, mais garde. On discute, là, merde. T'as qui, le chien? C'est celui de ouais, Terence. Non, non, alors, monsieur Terence, putain, qu'est-ce que vous faites, monsieur Terence? J'aime pas les chiens, je préfère les abattre. Ah bah ça, c'est ah pas ouais, gentil, bah, par contre. Les... Bah, j'aime pas les chiens, j'aime pas les loups. Si je pourrais, j'abattrais les sauvages, mais pas les chiens quand même. Oui, non, c'est gentil les chiens. Les loups, c'est pas pareil. Terence ouais, a peur des ouais loups. Hein. Ouais, mais ça, les ah, loups, mais je vais le chien, quoi, mais... Ouais, ça, je vais le comprendre, ouais. Oui. Bon, bah, oh, bref, toujours est-il, ouais, c'est bon, que. Bah... Non, mais vous pouvez me croire. Si je vous dis que j'ai jamais changé quoi que ce soit avec ces sauvages, j'ai jamais rien changé avec ces. C'est peut-être pour ça qu'on est sur la paille. C'est peut-être pour ça, ouais, mais c'est pas grave, au moins, on a une fierté. Oui, c'est vrai, ça c'est important. Hein. Ouais. Mais oui, ça vaut plus qu'une poignée de dollars. On est bien d'accord. Oui. Mais bon, vous allez me dire, ça nourrit pas son homme. Mais. C'est vrai. Mais au moins, nous sommes droits dans nos bottes. Tout à fait. Ouais. Hop, on essaiera de trouver ça. En tout cas, ouais, merci oui, monsieur alors, de nous avoir voilà répondu. En tout cas, monsieur, donc, Lévy. Monsieur Lévy. Voilà, oui. Essayez de ce côté-là. Après, je sais pas, Terence, t'as une idée? Pas du tout. Après savoir ce qu'il périt, si vous voulez aller faire de l'arpaillage chez les sauvages. Ah, mais ça, on n'ira pas, de toute façon. Jamais, il n'y aura jamais. Et Terence, il va vraiment falloir que tu ailles chez le dentiste. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, le chien qui aboie, et puis en plus, il claque des dents. Oui, c'est insupportable. J'ai rien fait. Mais... J'ai pas de chien. Ah, excusez-moi, vous énervez pas, monsieur. Il est un petit peu énervé, il faut comprendre. Ouais, il s'est fait scalper par des Indiens ah, cette semaine. Aussi ah, ah, bah, vous voyez que les sauvages, j'ai des surpris. Bienvenue au club, parce que... Oh, pardon, ouais, enfin, bienvenue, et en fait, moi, ça m'est arrivé il y a un mois, ouais. Bah, tu vois, Terence, sois pas inquiet, ça a repoussé, monsieur. Non, mais c'est une postiche. Ah, merde. J'ai payé 27 dollars. Oh, putain. Ouais, c'est... En plus, j'ai payé. Le petit, il le vit pas bien. C'est votre barbe. Ah, vous vivez pas bien? Ah, bah, ça, je vais bien comprendre, mais moi, ça faisait trop bizarre, hein. Donc, je me suis arrangé avec le barbier, et il m'a fait une postiche avec des faux cheveux. Ah oui. Bon, alors, c'est occupé de bien repousser, hein. Mais je peux pas encore les retirer parce que c'est long. Hein. Mais il a fait du bon travail, hein, parce que j'ai cru que c'était des vrais. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai payé 25 dollars. Ah oui. Mais si vous dilapidez votre argent comme ça, monsieur Moore, je comprends que vous soyez sur la paille. Hein. Je n'ai pas dilapidé, c'est une question de fierté, merde. Oui. Ah ouais, il tenait à ses cheveux. Pour... Parce qu'à chaque fois, on me dit mais qu'est-ce que vous avez, monsieur Moore? Bah, je vais dire à chaque fois que bah, je me suis fait avoir par ces sauvages, quoi. Oui. Donc maintenant, voilà quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait de vos deux petits? Alors, ils sont partis voir leur mère. Ouais, ils sont partis voir leur mère un petit peu, ouais. Ça nous fait des vacances. Oui, bah je comprends. Ah ouais, ça va nous faire du bien. Putain, ils bouffaient trop, c'est con. Oui, j'ai entendu dire qu'ils avaient très faim, effectivement. Oui. Ouais, ils avaient régulièrement faim. Comme leur père, ouais. Ça se voit, non? Ouais. Oui, ça c'est se vrai. Voit, hein, la preuve. Regardez. Il sait plus fermer sa veste. Ouais. Bon, bah écoutez. Attention, Nelson, toi, c'est bientôt la chemise. On va plus vous embêter, messieurs. Mais vous nous embêtez pas, messieurs, vous nous embêtez pas. Donc, monsieur Lévy, donc, il fait quoi comme. Il tient un commerce, il fait. Alors, il tient une ferme, de ce que je sais. Je vois pas beaucoup travailler, hein, mais bon. Il tient une ferme, et je sais qu'il comptait exploiter un filon d'or. Donc, peut-être essayer de. Bah lui on peut dire qu'il a une bonne ferme parce que nous dans la ferme il n'y a pas de filon d'or putain bordel.
Oui. On n'a pas eu cette chance-là, merde. Voilà, messieurs. Ok, d'accord, mais écoutez. Oh, bah, en tout cas, je vous remercie, ouais. C'est très gentil de votre part. Ouais, ouais. Super l'hypopète, j'aurais bien voulu vous aider plus que ça, mais malheureusement, je peux pas faire mieux. Bah c'est déjà pas mal, hein, écoutez. C'est pas de votre faute. Hein. Voilà, messieurs. Ouais, mais bon, faut peut-être dire. Quand vous... Parce que oui, j'ai vu qu'il n'y avait plus de mer, je sais pas quoi. Ouais. Mais à Saint-Denis. Ah, bien sûr que si. Ah, je sais pas, vous avez pas vu. J'ai vu ça dans. J'ai vu les affichages comme quoi il y a bientôt des élections de maire à Saint-Denis. Oui, mais enfin, pour le moment, il y a toujours, des. Messieurs. Il y a toujours un maire adjoint. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gouin. Ah, d'accord. Bon. Oh, il y a monsieur Sawyer aussi, incroyable. Écoutez, d'accord, écoutez, je sais pas moi, bon, hein, c'est ce qui était marqué. Bon, écoutez, on vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup, messieurs, à bientôt. Au plaisir. À bientôt. Bientôt. Ouais. Oh, pardon. Et n'oubliez pas, hein, si vous trouvez des pépites et des lingots, ils seront bien gardés dans la banque de Samy. Hein. Ouais, mais bien sûr, on n'y manquera pas, ouais. Oui, au revoir. Au revoir, monsieur. Ouais. Je disais au revoir, monsieur Bourg. Ah, pardon. Merde. C'est vrai ? Eh, mon dieu. Quoi ? Eh bien ? Ouais, ça va, et vous ? Oui. T'as pas l'air en forme, Grups, hein. Moi, je suis, ça va. Regarde, il est pas beau, ils sont en attirail de shérif. T'es un peu fatigué, quoi, mais bon, je vois, quoi. Oui, je vois, oui. Mais tu savais pas, Grover, qu'il était shérif ? Eh, si, bien sûr que si. Eh, il va être au partiel, vous savez. Oui, il est un partiel. Et monsieur Lévy, où est-ce qu'il est ? Il va bien ? Ouais, c'est une bonne question, je l'ai pas vu depuis hier. Hier, j'étais parti au Mexique, j'ai fait un peu de chasse. Oui. Et là, je suis revenu et j'ai pas vu. Il a joué un mauvais tour à Monsieur Shepard, je crois. Monsieur Shepard, eh, vous dites ? Oui, je crois bien, oui, il me semble. Il a fait quoi ? Je crois qu'il a essayé de l'empoisonner. Ah bah, oui ? Il serait pas démérité pour ce petit enfoiré. Oui, bah alors, c'était très rigolo parce qu'il était... Ça a raté ? Bon, j'en sais rien, mais il était le cul en pompe, hein. au milieu Valentine en train de vomir Trip et Boyau. Mais... C'est pas ce qu'il lui a donné, mais c'était plutôt... Ça devait être du lait caillé, je pense. Oui, peut-être, oui. Avec un peu de sucre, on sent pas le goût. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Oui. Et sinon, votre histoire de filon d'or, d'exploitation d'or, oh là, etc. Ça fait bien longtemps que ça en parle plus beaucoup, mon vieux. Ah bon ? Je veux dire, oui, moi j'ai cru comprendre que le projet était tombé à l'eau. Le truc avec Seymour ? Oui, c'est ça, il y a trop d'indiens, C'est tombé à l'eau, bah, vous voyez bien qu'on a la main sur aucun filon, de toute façon. Et c'est merdé. Un petit peu. Mais si on dit, va se bien ici. Tout ça, c'est la faute du maire. Ben ça va, oui. Mais pourquoi la faute du maire ? Bah, parce que si vous avez pas interdit d'aller se faire ses approches, tout ça, on n'en serait pas là, je te le dis, moi. Oui. Tu penses pas comme moi ? Si, après. Oui, moi, on m'a promis une vendetta, j'attends, hein. Mais bon, je vais pas attendre trop longtemps, hein. Vous nous avez dit 48 heures, on est à pas loin d'une semaine, là, mon petit Guy. Non, mais il y a eu d'autres événements depuis Grover, quand même. Oui, bah justement, et c'était bien pire. Hein. Je veux dire, ils nous ont quand même assiégés. Oui, voilà, oui. Après, je sais pas. Hein. Qui c'est qui claque des dents comme ça, hein. C'est mon pauvre petit, mon pauvre Sawyer, et il se remet mal de ses soirées d'hier. Ouais, je claque bien, là, on se monte à l'heure. Là, on t'entend plus, là. Il faut que tu parles plus, ça, hein, oui. Attendez, ça va ou pas ? Ouais, vous allez bien, oui. Oui, ça va à peu près, mais... Et... Ouais, bon. Les tirants, on t'entend pas, oui. Parce que je dis rien. Ouais, c'est bien dit, ça. J'écoute. Voilà la plus belle. Bonsoir, Miss. Bonsoir, mademoiselle Kaina. Qui que c'est, ça ? Ah oui, c'est notre... Ouais, très bien, et vous ? Bah, tiens, ça tombe bien que vous soyez là. Fait vous regardez le... Alors, il y a eu notre bon coup à coup ces derniers temps. Ben non, justement, je suis inquiet. Oui. Apparemment, il s'est fait... Il s'est fait subtiliser une arme d'une valeur assez importante, je crois. Non, c'est un autre problème. C'est un peu plus complexe que ça, mon vieux. Un peu plus complexe.
C'est dommage que notre cher Kwaku soit reparti, quoi. Ah ben ça, je vous fais le pas dire, il serait un petit peu, hein, bon. Ah, j'adore l'avoir partir de dos. Ouais, c'était quand même un des maillons forts de Saint-Denis, ce petit Kwaku. Oh, putain, regardez, il y a William qui arrive. Dis-lui, Terence, va lui dire qu'on n'a plus d'argent. Ah, c'est le vendeur de lingots, c'est ça. Eh bien, oui, il faut que je te dise un truc. Oui. Je reviens de Valentine, j'étais là-bas, j'ai criché là-bas. Oui. Et j'ai croisé Bobby McMurphy. Oui. Il voudrait acheter 150 pièces d'or. 150 pièces d'or ? 150 pièces d'or, oui. Putain de merde, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Ah bah je sais pas, il m'a dit acheter un canasson et d'autres trucs. Lui, bon, de toute façon, ce qu'il veut en faire, moi, ça me regarde pas, hein. Ça peut nous rapporter gros. Ouais, écoute, après, on en a en stock, hein. Donc, 6000 or, est d'accord, moi, je vois pas d'inconvénient. Hein. Oui. Du moment qu'il nous fait travailler cet enflure, là, tu sais qu'il veut se présenter à la mairie de Valentine ? Oui, j'en parlais avec lui un petit peu, il veut se présenter en tant qu'adjoint. Ah bon, il veut pas se présenter comme maire ? Non, en tant qu'adjoint, il voudrait être... Ah, d'accord, j'avais pas bien compris. Il voudrait qu'il y ait quelqu'un en face, bah, un petit peu comme lui, un peu le même fonctionnement qu'ici, vous voyez. Ah oui, d'accord. Parce que bon, je sais pas, c'est leurs affaires. J'ai croisé pour la première fois tout à l'heure le maire, là. D'ailleurs, ils avaient subi une attaque de loups et d'ours. Ah. Hein, je trouve ça quand même un peu bizarre. Des ours et des loups qui attaquent Valentine. Je me demande s'ils ont pas des soucis avec les sauvages, ceux-là. Oui, c'est possible, oui. Tu voulais quelque chose, Terence ? Oui, je fais la vente à M. Williams, il voudra nous parler. Apparemment, il s'est passé quelque chose de grave. Oula, bah fais-le rentrer. Oui, mais on fait la vente d'abord, au moins c'est fait, on pense pas... Oui, d'accord. Une chose à la fois. Ok. Si on va se perdre. Quelque chose de grave ? Mon Dieu. Et tu sais à combien il est le cours de la pièce d'or, là ? Pas du tout. Parce que c'est ça qu'il voulait savoir, Bobby. Oui, bah j'en sais rien. Moi, je suis pas banquier, je te rappelle. Bah, moi non plus, c'est bien ça le problème. Oui. Tu devais avoir dans tes sacoches des rails de train, mon petit. Ah bah oui, j'étais en train de les poser, là. Ah, d'accord, ok, parfait. J'ai remis tout ça dans le coffret. Vas-y. Pour la vente, viens au bureau, on va discuter de cette chose grave. Au moins, c'est fait. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur William. Monsieur. Gros vire. Bonjour, monsieur Bobby. Hey. Ouais, dites-nous tout. Attendez, je ferme les portes. Oui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Williams ? Bon, il se passe quelque chose de grave. Dites-moi. C'est surtout par rapport à tout ce qui est Brickton Company, la mine de Tableweed, tout ça. Dites-moi. Alors, apparemment, il y a eu un décret comme quoi que hier soir, Blackwater et Sandy s'étaient alliés pour raser les terres indiennes. Ça, je sais pas, je suis pas au courant. Et soi-disant, les Navarro, ils ont été mis au courant par des personnes américaines qui sont allées sur leur territoire. Oui. Et tout à l'heure, je suis allé m'aider du caillou, et il y a les Navarro qui sont venus me voir pour me dire qu'il fallait que je reparte, et que maintenant, c'était interdit pour nous d'aller miner à Tumbleweed des cailloux, sinon on allait se faire soit scalper, comme M. Terence, oui. Ou soit sinon on allait se faire directement assassiner. D'accord, mais autant que je sache, il y a un acte de propriété qui appartient à Puffy. Donc, Navarro ou pas Navarro, la mine, elle leur appartient pas, que je sache. Ah bah, apparemment, non. Apparemment, ce serait juste un accord comme quoi que l'entreprise de M. Puffy ait accès de pouvoir miner là-bas. Ah. Oui. Donc, c'est un peu plus complexe pour aller miner et puis pour bosser, quoi.
Tu vois, Guy, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il va falloir qu'on tape une fois et fort. Hein. C'est plus possible que ça continue comme ça. Oui, mais enfin, je retourne à la mairie. Hein. Oui. Je reviens. Réfléchis un peu à ce que tu dis, Grover. À 4, on ne va pas pouvoir faire la guerre à des armées de Peau-Rouges. Non, mais je ne parle pas de nous, mais de convaincre le maire de faire quelque chose, c'est plus possible que ce soit des obsés. Je comprends pas pourquoi il les remange dans la main, ce Godmiche-là. Bah, j'en sais rien. Je sais pas. C'est. Et donc, vous êtes sûr que M. Poufi n'a pas d'acte de propriété de cette mine? Ah bah, en tout cas, c'est ce qu'il est d'avoir rebondi. Après, vous savez, il faut voir ça avec M. Poufi, là, c'est lui seul pourra savoir. Oui, oui. Bah, ça serait bien qu'on le voie, celui-ci, d'ailleurs, là. Ça fait quelques jours que j'ai pas de nouvelles. Bah, file-moi 2 dollars, je vais envoyer un crieur, je vais l'appeler. Bah, dis donc, où es-tu ? Tiens. Je peux prendre ça dans le coffre d'entreprise. Hein. Oui. Je lui donne rendez-vous pour quelle heure qu'on dit ? Bah, le plus tôt possible. Hein. Ouais, il faudrait qu'on tire ça au clair rapidement. Ah bah oui, mon cœur m'a dit que si on voulait avoir accès à la mine, il fallait que les négociations entre Blackwater et Saint-Denis cessent tout de suite. Mm-hmm. Oui, parce que sinon, c'était au revoir à la mine, et puis nous, on s'occuperait justement du charbon et pas des cailloux pour faire du métal. Oui, alors, en sachant que le charbon a été déménagé à Nesburg, je le sens pas très bien, là, la Boeington... Et vous le connaissez bien, vous, le chef Navarro, là ? Non, du tout. Non ? Du tout, je le connais pas, non. C'était la première fois que je le voyais. D'accord. Bon, écoutez, merci pour l'information, monsieur Williams. On va voir ça, on va réfléchir à tout ça. Il faudrait qu'on voie Poufi, quoi. Oui, c'est surtout ça. Bah, après, ils ont dit que M. Poufi n'allait rien pouvoir arranger, ce serait seulement le maire de Sandy. Oui, mais enfin bon, si nous avons... Enfin, si Poufi a un acte de propriété de la mine, ils pourront dire ce qu'ils veulent. S'il faut y envoyer l'armée gouvernementale, on y enverra l'armée gouvernementale. Hein. Oui, c'est sûr, oui. Bon, écoutez... J'espère que ça rentrera dans l'ordre, tout ça, parce que je peux plus bosser, quoi, pour l'instant. Je comprends bien. Hein. Bien. On est tous embêtés. Bon, alors... Ah bah oui, tous impactés, là, c'est sûr. Oui, oui. Oui, c'est vraiment problématique, ça. Et où est-ce qu'ils vivent, ces Indiens, là? Je sais pas du tout. Moi, je sais juste qu'à chaque fois que j'étais en train de miner, je les croisais à chaque fois, puis ils me demandaient le mot de passe pour pouvoir bosser. Ah, mais tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Oh, alors, allez, efficace ou pas ? Les nouvelles sont pas bonnes, il m'a dit Pépé Grover. Ah non, on a un gros problème, Poufi. Hein. Oh. Oui, très gros problème, oui. Ah bon ? Oui. Oui, très gros, oui. Comment ? Tiens, tu peux fermer la porte, Grover, s'il te plaît. Mais elle est fermée là. Ah, oui, d'accord, ok. Et dis-moi, Poufi. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Oui, bonjour, d'abord. Tu as... Concernant ton entreprise... Oui. La mine à Tumbleweed. Oui. Tu as un acte de propriété ou pas? Oui. Oui, non. T'es... Non. Oui, mais là, il faudrait que tu sois sûr, mon petit Poufi. Je suis sûr de ne pas y avoir, en fait. Faudrait peut-être voir avec... Comment s'appelle déjà, monsieur... Oui. Vous êtes peut-être monsieur en réunion, je peux vous déranger. Monsieur Pinot. Qu'est-ce qui vous arrive, shérif? J'aurais besoin d'un conseil technique. J'ai quelques shérifs qui ont quelques lingots. Oui. Et comme on n'est pas spécialiste de l'or, vous voulez savoir comment ça change en pièces d'or pour les déposer sur leur compte? Ouais, toi, je m'en occupe. Oui. Merci. Oh, Pépé Grover, il est futu, il va savoir. Hein. Oui, mais enfin là, t'as un gros problème, mon petit Poufi. C'est quoi le problème?
Alors, est-ce que t'es sûr ou pas pour cette histoire de... Je suis sûr de pas savoir. D'accord. Mais oui, normalement, c'est à nous. Hein. Je t'explique, Monsieur Williams, d'ailleurs, qui est un de tes employés. Ah bon? Oui. Bonjour. Un de tes meilleurs employés, d'ailleurs. Il est sacrément dévoué. C'est, je dirais même, l'employé modèle du mois. Hein. Je choisis bien, moi. Mais, oui. Bon, parlons sérieusement, mon petit Poufi. La politique se mêle à tes petits soucis, si je puis dire. Apparemment, je ne l'ai pas lu complètement le décret, mais la ville de Saint-Denis a passé un accord avec Blackwater hier. Oui. Et du coup, les Navarros sont très fâchés. Ah bon ? Oui, et apparemment, ils font un blocus et revendiquent Tamine, Tumbleweed. Hein, et disent qu'on n'a plus le droit de l'exploiter. Ah, exactement. Non, hein. Ah, non, moi, Navarro, non, j'ai accord avec eux. Ben... Ouais, mais ça, c'était vraiment ça, petit Poufi. T'es plus d'accord avec les Navarro, j'ai l'impression. Hein. Oui, parce que moi, ça date de... bon, il y a peut-être quoi, 2-3 heures, j'y suis allé, on m'a clairement dégagé, comme quoi j'avais plus le droit, parce que, nous, ça a dit... Oula, doucement, range ça. Ouais, calmez-vous, monsieur Poufi. Tout simplement, ils nous ont dit que c'était pour l'instant fermé, du moment que monsieur le maire de samedi réglait pas les choses avec Black Panther, parce qu'ils ont fait une espèce d'alliance pour éradiquer les Terradiens. Et j'en reviens, faut lustrer les armes, faut qu'on soit 11h à Fort Wallace, Guy. Ouais, bah alors, moi ça sera sans moi, hein. Oh. Pourquoi? Parce qu'on va aller chez les Navarro. Ah, bon ben voilà, ben on va régler le problème, alors, monsieur William. Oui, espérons. Voilà. Oui, bah... Oh oui, je veux un gros fusil. Oui, on verra. Oh, oui. Ben, bah écoutez, ce que je peux vous conseiller, monsieur Williams, c'est que on en reparle plus tard, on en reparle demain peut-être. On va voir un petit peu avec ce que compte faire monsieur le maire, et puis on va essayer de débloquer la situation, hein, pour la Burrington quand même. Hein. On aime bien le petit Poufi, donc. Oui, bah oui. Puis vous, on vous aime bien aussi, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et moi, très bien. Pas de nouvelles de mon ami banquier ? Pas du tout, non. D'accord. Je suis encore passé juste avant à Valentine et je l'ai pas vu. Très bien. Parfait. Bon, bah écoutez, on voit ce qu'on peut faire, monsieur Williams. On vous tient au courant. Sinon, lisez la presse, hein, et puis voilà. J'ai une idée. Monsieur Williams, vous allez les tuer les Navarro. Allez les tuer ? Oui, tout ça. Ouais, ça va être compliqué, ça, vous savez. Si vous faites ça, vous serez contre-maître. Promotion. Et voilà, problème réglé. Poufi est meilleur. Ouais, et vous avez vu, ça, votre patron, il trouve vite des solutions, lui. Hein. Ouais, non, mais peut-être que c'est pas une mauvaise idée. Tenez-vous prêt sur les coups de... Moi, tout seul, je suis pas prêt. Non. 23h. Non, mais on va pas partir. Vous allez pas partir tout seul, mon cher. Parce que là, ce que vous me dites, c'est de venir vous accompagner à 23h, c'est ça? Oui, pour aller flinguer du Navarro, oui. C'est ça, hein, oui. C'est ça l'idée, Terence. Oui, enfin, plutôt, on va y aller, on va leur dire, vous continuez à nous chier dans les bottes, on fait péter vos grottes sacrées. Oui, c'est pas mal aussi, comme solution. Mais les connaissances, ça va... Ça finit en pam pam boum boum. Ouais. Oui. Bon, mais voilà. Ils sont gentils, les Navarro. Putain, les voix. Bah, les Navarro, ils vont se calmer. Oh là. On va envoyer Pépé Grover tout seul. Bah alors, Poufi, qu'est-ce qui se passe? Il faut m'envoyer. On a décidé. On t'envoie tout seul à la mine de Summerweed. Comment ça, oui, tu vas tuer des Navarro. Ah bon?
Oui. Ouais, j'emmène au moins le grand costaud avec moi. Et je vais pas y aller. Non, c'est un compéto, il a mangé un ver de terre, en plus il va être malade. Non, je vais pas manger de ver de terre de la dernière fois que tu m'en as fait bouffer. Hein. Poufi, c'est pas grave, tu sais, cogne fort, c'est le plus important. Ah bon? Mais. Oh. Ben. Et il y a mon employé aussi, il va venir avec toi, voilà. Il sera sous contre-maître. D'accord, et donc on va faire la guerre aux Apaches à nous trois, c'est ça? Et puis tout de suite, ouais. Tout de suite, il se dégonfle. Mais bien sûr que non, mon petit Grover, on va pas partir faire la guerre à trois. Non. Pas du tout. Je sais pas, la mairie va lancer une délégation ce soir. Dans un premier temps, essayer de négocier, ou sinon, on leur fait péter l'entrée de la mine, et puis terminé. Hein. Ils n'auront plus rien à exploiter. Hein. Puis on essaiera de gratter du côté d'Annesburg, voir si on peut trouver un filon de fer dans le coin, là-bas. Et puis voilà, comme c'est, ils arrêteront de nous emmerder, ceux-là. Et puis ce serait quand même plus proche, en plus, ça ferait nos affaires. Oui, ce serait une bonne idée, c'est surtout qu'en plus la mine d'Annesburg, elle est grande, hein. Il y a beaucoup de choses à exploiter là-bas. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à vider, après il faut trouver le filon. Et vous êtes parti de mer déjà, tu y es allé, Terence, c'est ça? Oui. Okay. Oui, Terence est allé voir monsieur le maire adjoint, oui. C'est lui qui lui a dit... Oui, pardon, désolé, j'ai une petite absence. Il y en a vu, oui. Bon, voilà. Bah, Poufi, en tout cas, traîne pas trop par là-bas. Il va t'arriver des soucis, sinon. Où c'est à Annesburg? Non, dans ta mine. Ah bah non, moi, j'y vais pas. Je veux plus taper le caillou, moi. Et où qu'il est, Pino, là? Ben... Je sais pas. Guy, t'aurais 30 secondes à m'accorder, oui. Tous les deux, s'il te plaît. Nous faciliter la chose. Et... Oui. Moi je vais aller rejoindre l'expédition pour les Navarros, que j'ai un petit compte à régler avec eux. Ce que tu pourrais faire, c'est rappeler Philippe et t'occuper du petit Poufi, si tu vois ce que je veux dire. Cette histoire de propriété. Oui, mais bon, il y a Grover qui est là, ça va être compliqué avec Grover. Hein. Oh, il va venir avec nous. Mais il est passé où, Philippe, du coup? C'est toi qui l'as envoyé. Non, mais d'accord, mais bon, ça fait une heure qu'il est parti. Bah, ça se trouve pas en deux minutes. Hein. Tu m'as pas reconnu, toi, ou quoi? Ah, bah tiens, on parle du loup. Comme une gonzesse, toi, je te reconnais jamais. Ah, tiens, remets-toi, papy. Ah, et ça c'est... Ça, tu vois, j'ai pensé à toi. Bon, je viens de me faire renverser par ce cinglé de mer. Hein. Non, d'adjoint au maire. Ah oui. Et c'est 23h, hein. Il est que 22h. Hein. Ça nous laisse un peu de temps, hein, d'intérance. Oui. Bon, occupez-le, Grover, viens voir. Qu'est-ce que... Et où c'est que tu nous amènes? Comment te dire ça? On a un projet. Attends, c'est qui on? Déjà. Terence, Milord. Enfin, Milord. Milord n'est pas au courant. Terence, Seymour, moi. On a un projet. Ouais. Je sais pas comment te dire ça. Ouais, je sais pas, à coup, je n'y vais pas pour quatre chemins, dis-moi les choses. Enfin, Seymour aimerait racheter la Burlington Company. Ouais. L'idée, c'est de...
faire une grosse proposition, si un petit pauvre fille. Mmh. L'emmener dans un petit coin fêter ça. Mmh. Récupérer l'argent et quick. Quick, le petit. Oh non, vous pouvez pas faire ça, mon petit poufi, quand même, les gars. Et... Écoute, c'est pour le bien de la banque et c'est pour le bien de ton compte en banque. Ouais, mais... on va vraiment gagner. Il y a vraiment du pognon à se faire. Bah écoute, je pense que oui. Pour l'instant, moi, j'en vois pas beaucoup la gueule du pognon. D'ailleurs, j'ai pas été payé cette semaine, ça commence à bien faire. Bah écoute, c'est pas... On me promet mons et merveilles à chaque fois. Hein? Et s'il n'y avait pas le petit Terence ou le petit Philippe pour payer quelques coups à Pépé, moi je serais sur. Hein? Je serais à sec. Oui. Tu veux qu'on aille voir ensemble combien il y a sur ton compte? Bah, tu peux aller voir, mon petit. Je te rappelle que la dernière fois que tu as fait le. Comment dire, le mendiant, que Seymour m'a demandé de fouiller dans tes poches, on a trouvé une liasse de dollars. Oui, mais il me reste 5 dollars et j'ai même pas de quoi m'acheter un canasson. Je voudrais m'acheter un canasson, j'ai même pas de quoi, j'ai à peine 15 dollars. Écoute, après, ton salaire, tu verras ça avec, avec Milord. Hein. Oui, mais si tu veux, faut pas qu'on se fasse encore entourloupé. Moi, j'en ai fait les votes. Mais pour cette histoire de Morrington, si on nous fait faire ça et qu'à la fin on touche pas un dollar encore, hein? Écoute, l'idée c'est... De toute façon, là, c'est que M. Cavendish, il n'aura pas le nez dedans. Parce que c'est... Hein. Oui, voilà. Tout à fait. Bon, on voit très bien, si... Bah, disons qu'il y a des... Y a, comment dire ça? Il y a des bruits qui courent, qui voudraient rentrer au pays. Ah bon? Oui. Donc c'est pour ça que, bon... On se dit que c'est peut-être la bonne... Le bon moment de lui faire une offre alléchante et de lui montrer plein de billets et dire qu'on lui rachète, qu'il me passe comment dire les papiers de l'entreprise et puis voilà, puis après on va fêter ça et oups, puis un petit coup par-ci par-là, on le jette dans le bayou, terminé. Ni vu ni connu. Oui. Monsieur Pinot, tout ça, ça va pas être suspect quand même, il est pas tout seul, ce petit ouais. Oui, bah enfin, après, écoute, si nous, c'est lui qui rédige les papiers de l'entreprise, la cessation, qu'est-ce que c'est tous ces roues, là? Bah, c'est dommage, le fudil, on avait que ta comme verre. Il a pas réussi à faire un verre. Après, Monsieur Pinot, il pourra dire ce qu'il veut, hein. Hein. Eh, on va voir l'idée est fort intéressante. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce petit poufi, je l'aime bien quand même. Oui, bon, on l'aime tous bien, mais bon, écoute, c'est plus un boulet que qu'autre chose. Hein. Oui, c'est moi, il me dit toujours de pas m'attacher, j'y arrive pas. Ben oui. Je peux compter sur toi, hein? Ben oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Hein? J'ai 1000 dollars! Il a dit 1000 dollars! Non, j'ai dit que j'avais 10 000 dollars. Oh, mais t'es encore en vie, toi, mon petit! Eh oui, sur mon exil. Oh putain! Mais ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Est-ce que les dollars, faut les avoir sur nous? Parce que, en fait, je sais où ils sont, mais je les ai pas encore. Enfin. Donc 10 000 dollars qui dit mieux. Qui dit mieux, oui. Eh, dis donc, Poufi, viens voir, s'il te plaît. Qui a... J'ai vendu la Boeington Company. Quoi? 10 000 dollars. À qui t'as vendu ça? Monsieur. À Gaston. Oh là là, tu sais bien fermer les portes, tu pourrais être majordome. Oui. Bon, en parlant de la vente à Borington, là, qu'est-ce que tu comptes en faire là? Parce que j'ai pas l'impression que ça t'intéresse beaucoup, mon petit. Non, je vais la vendre. Putain. Monsieur Terence? Oui. Je pourrais vous parler des petites minutes, s'il vous plaît. Oui, j'arrive.
t'appelle Philippe, Guy. Oui. Je vais la vendre. Tu vas la vendre? Oui, je vais faire un... Comment ça s'appelle? Une vente aux enchères. Oui, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mon petit Pofi. Oh bon? Oui, mais j'en... Moi, j'ai déjà 10 000 dollars de proposer. C'est un clodo, ce gamin. Tu vas pas écouter n'importe qui. Oh, tu veux pas faire quoi? J'ai 301 dollars de proposer. Par qui? Monsieur Williams. Et 300 dollars, monsieur Terence. Et il y avait deux personnes, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Terence? Tu veux racheter la Burrington? Il allait la vendre à monsieur Williams. Ah. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Ah putain, j'arrive pas à ouvrir le coffre. Et... Oui. Alors, tu dis que tu veux la vendre aux enchères, c'est ça? Oui, ça me paraît une bonne idée, non? Oui, enfin, je sais pas, je pense qu'avec tout ce qu'on a fait pour toi, j'aurais pu penser que on puisse trouver potentiellement un arrangement, mon petit Pofi, quand même, parce que je te rappelle que... Mais oui, mais il faut proposer un arrangement, hein, moi, si... sinon moi je me débrouille. Si la Burrington est encore sur pied, c'est grâce à Seymour, grâce à Terence et moi-même, hein. Voilà, hein, parce que je te rappelle que... On stocke ton fer, on fait vivre ton entreprise pendant que toi tu te dors la pilule au Mexique. Et toi tu hein. gagnes beaucoup de dollars, hein. Moi je gagne pas de dollars, non. Oui, mais Cavendish, la banque est gagnée, toujours. Oui. Bon, alors du coup... Oula. T'excite pas, Pépé. Non, t'inquiète pas, j'essaie d'ouvrir mon coffre et j'y arrive pas. Comment ça? T'as pas le nez dans le coffre, toi? Non. Mais j'arrive pas à l'ouvrir non plus. Ah, très bien. Et qu'est-ce que je pouvais faire pour toi, Guy? Reste par là, s'il te plaît, je vais avoir besoin de toi. D'accord. Oui, bon, alors, mon petit Poufi. Qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi, là? Mais je sais pas, moi, du coup, si j'ai pas le droit de la vendre. Mais je dis pas que t'as pas le droit de la vendre, mais faut la vendre à la bonne personne, mon petit Pofi. Bah, je vendrai à la personne qui donne le plus. Mm-hmm. Ben, si oui, comme ça, ce sera forcément la bonne personne. Mais. Pofi fut-fut. Oui, Pofi fut-fut, oui. Bon, écoute. Je te propose... Écoute. Un mandat de 500 dollars. C'est-à-dire, je t'explique, parce que c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi le problème avec ce putain de coffre? Et si... Oh putain! Ce putain de coffre, il s'ouvre pas, j'aimerais bien réceptionner les repas là. Ah oui, non, c'est pas pour vous, Pofi. Qu'est-ce qu'il y a, Pofi? Je veux pas me donner à manger. Mais Grando, t'es qu'un connard. Bon, on va tous aller faire une sieste, du coup, hein, voilà. Et puis on revient. Ah, ça va me gonfler, là. On va pas y arriver, hein.
Ça me saoule, là. C'est un vrai moulin, hein, le bureau, quoi. Tout le monde rentre dedans. C'est la fête, quoi. Oui. La serrure est complètement bloquée. Donc, de toute façon, ce soir, ça va être compliqué. C'est qu'il est passé, mais, le petit haut, là. N'hésitez pas à repasser, vous demandez, monsieur... Vous demandez, monsieur Bright. Oui, oui, pas de soucis, mais de toute façon, je vois que vous... Ouais, bah, de toute façon, repasser, il y a toujours du monde. Hein. Il sera là demain, il n'y a pas de soucis. Il est de repos, ce soir. Et... C'est qu'ils sont passés et tout. Bah, on se reverra peut-être à l'Irlande, du coup. Ouais, vous êtes le bienvenu, que Dieu vous garde. Merci. Il est où, le petit Poufi, là? Non, bah, attends. Bon, Poufi, quelles sont les dernières nouvelles? Dis-moi tout. Ah, putain. Il y a face à son horaire, pourquoi? Gros vert. Ah, bah, tu veux te débarrasser de ton entreprise. Gros vert, s'il te plaît. Mais pourquoi tu veux faire ça? Putain, mais... Je vois pas, il m'entend pas, ça me casse les couilles. Tu t'en vas, mon petit Poufi? Allez, mais putain, mais fermez-la, quoi. Ah, bon, moi, le coup, je le fais pas, c'est bon. Ouais, tu vas dire à tout le monde, ouais, on s'en va. Putain, ça m'énerve, parti, ah, ça me saoule. Putain, c'est en train de me gaver, là. Fait chier. Il y a trop de monde à Saint-Denis, et voilà, quoi, c'est Beans. Oui, tu peux... Je sais pas, moi... Je sais pas, gérer ton entreprise, aller prendre du monde Miss, salon, vous m'entendez? Profiter de ton argent, tu vois. Monsieur Williams, vous m'entendez? En plus, et moi, ben... j'avais fait, mais t'es jamais venu. Ah, ça me... Chier, putain. Ah, ça, c'est relou, hein. Tu m'entends? Oui, 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 putain. Il faut faire sortir Poufi de la banque, là. Amène-le-moi à la sortie direction Hannesburg. Là, je t'attends là-bas, là, si tu l'entends, s'il te plaît. Terence? Oui. Il faut deux morceaux de papier vierge, s'il te plaît, aussi. D'accord. Ouais, mais c'est le problème de Redem quand il y a trop de monde à un endroit. C'est surtout pénible que tout le monde rentre dans ce putain de bureau là, tu peux pas rester tranquille deux minutes. T'as toujours quelqu'un qui vient là et qui vient s'immiscer à la conversation là. C'est chiant. Montez à la banque parce que sinon je vais pas le voir. Après, les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'infos, mais bon... On est là pour ça aussi, mais c'est vrai que... C'est chiant, quoi. Et qu'est-ce que tu fous, Poufi? Poufi? Qu'est-ce que tu fais? Normalement, lui, il me voit et... Oui, moi... Moi, je vois pas. Bon. Allez, monte sur mon cheval, mon petit Poufi, on va aller discuter ailleurs, là, parce que... Oh, bah, attends, je te donne les papiers. Je peux pas. Mais appelle ton cheval. Monsieur Williams, vous aviez besoin de moi? Non, du tout, c'était pour discuter avec Monsieur Poufi, mais s'il est disponible plus tard, j'aimerais bien discuter avec lui. Oui, ça marche. Mais je vous laisse, je repasserai un petit peu plus tard, d'ici 15-20 minutes. Ouais. Même pas, 10 minutes. Ça roule. Appelle ton cheval, Poufi, on va sortir de là, là, aller discuter au calme. Parce que là, c'est compliqué, il y a trop de monde. Tu me suis? Oui. Là, on est grillé, là. Si je fais le coup, Williams, il va falloir s'en débarrasser aussi, quoi. Ouais.
va sortir de la ville, comme ça on sera peinard. Trop de monde à Saint-Denis en ce moment, c'est casse-pied. Bah c'est normal, c'est une ville. Oui, mais il y a toujours trop de monde le soir. Tiens, bon, on va se mettre par là, là, on sera bien là. Allez, hop. Oh. Il dérange, il est là. Bon. Déjà, dans un premier temps, mon petit Poufi. Oui. Je t'explique. Moi, je suis prêt à te faire un mandat. Tu viens d'où, toi? D'Angleterre, c'est ça? D'où c'est que tu viens, déjà? New York. De New York, ben. Bon, comme tu sais que voyager avec de l'argent sur soi, c'est un petit peu dangereux avec tous les bandits qu'il y a. Je te fais un mandat. Je te rachète quoi, la. Alors, je t'explique, mon petit Poufi. Un mandat, c'est un papier, d'accord? Je te donne ce papier. Et quand tu arrives à New York, tu vas à la banque Cavendish de New York, d'accord? Oui. Je me suis. Tu donnes ce papier et il te donne tes $500 pour la vente. Oh, et puis comme ça, c'est t'es compliqué, peinard. Hein? Bon, non, pourquoi? Ah bon? Juste un petit papier, quoi. Tu vois? C'est mieux de rentrer à New York avec un petit papier sur soi plutôt que d'avoir des liasses de billets qui débordent de tes valises. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Non. Alors, je vais te donner un bout de papier, mon petit Poufi. Oui. Moi, je vais rédiger le mien aussi, hein, d'accord? J'ai pris un petit peu de... une petite plume et de l'encre de Chine. On va rédiger les contrats. Je te donne ton mandat de $500, d'accord? Oui. Et puis, tu me... Comment dire? Tu me cèdes l'entreprise. Quand je dis céder l'entreprise, il faut que tu me donnes... comment dire, les pleins pouvoirs, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu comprends? Ah! Eh oui, parce que moi je veux bien racheter la Borington, mais il faut qu'on puisse la faire marcher, cette entreprise. Oui, je vais devoir renvoyer du monde d'abord. Hein? Oui, parce que j'ai Pino qui grade comme en dessous de moi, oui. Comme moi. Oui. J'ai mon pépé Jo. Oui. Qui lui aussi. Je vais renvoyer tout le monde. Renvoie pas monsieur Williams. D'accord. C'est gentil, monsieur Williams. Oui, ça va. Ça va, il oui. Oui. Oh, c'est quoi ça là-bas? Oh, il y a de la lumière là-bas sur l'île. Ah oui, exact. Je l'ai vu, je veux une île. Bah écoute, oui, avec tout cet argent, tu pourras t'acheter une île, ça c'est sûr. Wow. Je vais l'appeler l'île aux dindons, et je vais mettre plein de dindons, ils pourront être libres dessus. Bah écoute, tu fais comme tu veux, mon petit Poufi. Oui, ce sera une ville pleine de dindons, ça va être sympa. Mmh. On pourra rigoler, on pourra courir là les uns après les autres. Oui. Ben. On rédige ces papiers ou tu fais comment là? Dis-moi. Oui. Oui, mais il faut me laisser le temps de virer des gens. Écoute, il est où le siège de l'entreprise? Il est à Saint-Denis, non? Faut que t'ailles au siège. Bon, mais je te suis. Oui, il faut qu'ils aillent déchirer leurs papiers. Ah! Eh bien alors, Poufi, regarde où tu vas. Mais non, j'ai pédoncule. Je vais à l'entreprise trouver des... virer les gens. Oui. Et puis je te rejoins à la banque.
Mais je pense que je vais te suivre, Poufi, parce que si on revient à la banque, ça va être encore le bazar. Ah. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Suis-moi. Je te suis. Ouais, va wipe. Mais j'aurais préféré que Seymour soit là, parce que là, on aurait pu faire une scène tellement meilleure que ça, quoi. Il faut arrêter de tourner en rond, Poufi. Tant que tu fais du tri, je vais pisser un coup, moi. On sent mieux, hein, plus léger en tout cas. Virer les employés, oui, oui. Mais yeah. Je sais pas si ça marche. Mais t'as pas viré Williams, hein? Non. Bah. Ok, très bien. Comment dire, le... Alors, il y a Seymour, oui. Que j'ai gardé. Oui. J'ai gardé Terence, mais je suis pas sûr. Hein. Oui, c'est un feignant, lui, mais bon. Et Joe. Joe Williams. Oui, alors Joe... Il est grade 3. Seymour, grade 6. Terence, grade 6. Non, alors écoute, je vais me mettre sur une caisse là, je vais te rédiger le mandat de retrait de tes 500 dollars. Oui. Déjà on va faire ça. Tu vas voir comme ça.
Voilà. Alors, je vais te donner un petit papier, mon petit Poufi, d'accord ? Oui ! Papier vierge. Et tu vas y noter, du coup, ce que je vais te dire, hein, pour que ce soit un petit peu dans les règles, hein. Bah non, il faut que tu le notes toi-même. Moi, je sais pas trop écrire, hein. Comment ça, tu sais pas écrire ? J'en suis à la lettre F. Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer, tu vas y arriver, c'est pas grave. Même si c'est des fautes d'orthographe, le moment qui est le principal, on s'en fout, mon petit Poufi, d'accord ? D'accord. Et alors ? J'ai du papier sur moi aussi. Ah bah si tu as du papier, ça sera plus simple, parce que moi du papier j'en ai plein sur moi, je sais jamais quel est, y a rien, je griffonne des choses partout, et puis après je sais plus. Alors attrape D'accord. un bout de papier. Oui, ça y est. Alors, tu vas noter. Bon, t'es prêt ? Oui, j'ai noté, tu vas noter. Non, ça faut pas le marquer. Ah bon ? Fédérature. Fédérature. Oh, non. Tu vas reprendre un papier propre, d'accord ? Et quand dis note, tu notes. Mais note pas tout ce que je dis. Ah, d'accord. J'ai compris. C'est bon, t'es prêt ? Oui. Alors, note. Moi, Poufi Borington. Accepte de céder mon entreprise. Je vais trop vite, tu me le dis. Oui, ça va, ça va. À monsieur Guy Brigando, ce jour. Donc tu mets le 14 mai 1876. C'est bon ? Oui ! J'ai fait un dessin d'un dadon aussi. Oui, si tu veux. Contre montant de $500. Tu mets en dessous Poufi Borington. Putain. C'est tout ? Oui. D'accord. Tu me donnes le papier, je te donne ton mandat et on va fêter ça, mon petit Poufi. Oui. Oui. Alors. Je vais relire, hein. Un petit peu, que tu n'as pas fait de bêtises quand même. C'est bon ? Attends. Je trouve pas ton papier dans mes poches là, qu'est-ce que c'est ce bazar ? C'est parce que je l'ai encore sur moi, c'est pour ça. Je t'ai pas donné le bon. Hein, d'accord. J'ai donné le vaccin. Le certificat de vaccination. C'est pas grave ça, mon petit Poufi, t'en auras pas besoin à New York.
Voilà. Voilà. Eh, moi, profite d'un message de céder mon entreprise à monsieur Guillaume. On prend des 500. Mais c'est très bien ça. Alors, bouge pas, que je t'attrape ton mandat. Voilà mon petit Poufi. Mandat de retrait, donc tu peux vérifier, hein, pour le montant convenu à la banque centrale Cavendish de New York. T'aurais pu faire un dessin, hein. Oui, c'est vrai. Et du coup, maintenant, bah écoute, il faut que tu me nommes chef d'entreprise, hein. Oui. Tout va bien, mon petit Terence? Oui, maintenant tout est calme, ça. J'ai fait mon petit tour pour vider la tête, histoire de pas devenir fou, et tout va bien. Très bien. Alors, fais voir que je vérifie mes papiers. C'est mis au grade maximum. Comme ça, Terence, eh ben, c'est ton sous-fifre. Parfait. Ça change pas d'habitude. Oui, mais c'est pour ça. Ok, parfait. Alors, fais voir. Hein. Et il faut voir si t'as accès au coffre. Oui, attends. Oui, c'est dans le tonneau. C'est un coffre tonneau. Oui, c'est bon, j'ai accès au coffre. Parfait. Et par contre, comment je vois que je suis patron? Bah, je sais pas. Attends. Oh, les amours ont pris. Oui, bon, je pense que c'est bon, je vois les employés, alors c'est que ça doit marcher. Sinon, tu ouvres ton carnet à page 8. Oui, merci, oui. Moi, je te vois grade 10. Et Terence, je le vois bien gras, tout court. Comment ça, je suis gras? Bah oui, hein, tu dis que t'es musclé, mais c'est pas forcément vrai partout, hein. Ah si, si. On m'a appelé le rondin de Boston. Déshabille-toi pour voir. Je vais pas te montrer ma bûche. Le haut. Tu gardes ton pantalon. Et mais toi, tu peux pas voir le tien de grade, si je dis pas de bêtises. Tu te vois pas, toi, dans les employés? Si. Tu te vois dans les employés? Oui. Oh, ça me saoule. Gratis. Regarde-moi ça. Oh, dis donc. Moi aussi, il y a un peu de gras quand même. Hein. Oui, il y a un petit peu de gras, Terence, quand même. Un tout petit peu. Pas beaucoup, rigoler, mais un petit peu. Rigoler, mais 120 kilos de pur plaisir. Oui. Ben, parfait. Parfait, mon petit Poufi. Et je peux me virer. Ben, essaye de me virer, toi. Oui. Alors, attends, je vais essayer. Ben... Je vais m'habiller.
un gros pervers, Terence. Non, je peux pas te virer. Est-ce que tu veux que je me vire moi-même? Tout seul, comme un grand. Bah, écoute, si tu peux, oui, pourquoi pas. Oh? Oh? Qu'est-ce qu'il y a? Vous, ça dit, vous devez demander à une entreprise parente de vous licencier. Ah. Bon, peu importe. On va dire que t'es viré, Poufy. Ça te va? Oui. Ben, très bien. Bon, on va aller fêter ça, hein? Oui. Ah bah oui. Les fraises. Oui. Deux. De quoi? Deux les fraises. Deux les fraises? Oui. Très bien. Ah bah écoute... non, mais non, t'es un homme, on va te faire boire du whisky. Oui, un petit whisky quand même. Non, tu veux pas un petit whisky pour fêter ça? Un whisky à la fraise. D'accord, un whisky à la fraise. Mais tu sais quoi, Poufy? Je sais exactement où est le meilleur whisky à la fraise de la région. Oh, oh c'est vrai? Oui. Tiens, allez, on va t'emmener. Mon petit Terence, prends donc oui. Le petit avec toi sur ton cheval, je vous suis. D'accord. Tu te rappelles la petite maison là où on a bu du whisky 20 ans d'âge là la dernière fois? Oui, je m'en souviens. On va aller là-bas, hein. Il y a du whisky à la fraise délicieux. Je te suis. Pas de whisky pour toi, t'as déjà ce qu'il faut dans le champ. Bah il veut wipe son perso donc oui on va le tuer ce soir. Hein. Après c'est lui qui veut wipe hein, voilà. Et il va faire un autre perso. Hein. C'est une maison bouilleuse là. Comme la pépette de Guy. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, on parle de maison. Ah oui. Il me semblait avoir entendu mon nom. Oui. Je vais avoir du mal à appuyer sur la détente, hein, je vous préviens. Quelque chose qui, pour moi, est complètement immoral, pour moi, personnellement. Même si c'est du RP, je vais avoir du mal, je pense. J'aime bien aussi. Oula. Hop. C'est quoi que tu m'as donné ça, Poufy? C'est un cadeau. Oui. Tu pourras t'acheter des dindons avec. Moi, je m'en fiche. Et là, le gouverneur, il va être supplié de lui prêter de l'argent, hein.
random. Cet endroit, enfin bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Et dis donc, il y a une maison tout en hauteur. Ils ont pas fait des murs. Là, on va dis tenter quelque chose. Dis donc, la maison, elle est un peu sale. Non, mais t'inquiète pas. Oh là 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 là. Un grand là-haut, Poufi. Il y a une réserve de whisky au... à la fraise. C'est vrai? Oui, 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 oui. Juste en haut, là. Oh, je t'aime. Je t'aime, Pépé Brigand. T'es vraiment le meilleur copain que j'ai eu. Oui. À part Pépé Grover. Oui. À part les Adons. Oui. Et Benji aussi. Oui. Allez, grimpe. Je monte par où? Par là, là. Regarde, hop. Oh. Oh, y'a un crâne! Qu'est-ce que c'est ça? C'est un dindon avec une tête de mouflette! C'est oui. Dégueulasse! Oui, c'est dégueulasse, oui. Bah oui. C'est dégueulasse. Les mains en l'air, Poufi. Lève tes mains. Allez. Pourquoi? Dépêche-toi. Mais pourquoi tu fais. Quoi? Dépêche-toi, lève tes mains, Poufi. Non, je veux mon lait fraise. Je vais te donner ton lait fraise, mon petit Poufi. C'est vrai? Oui, je vais te donner l'occasion de le boire, oui. Tu vas boire un lait fraise pour la dernière fois de ta vie, mon petit Poufi. Bah non, hein, c'est... Bah non, moi, le lait fraise, non, c'est... Non, c'est pour toute la vie. Oui, bah justement, tu vas le boire pour toute la vie. Ah bon? C'est le seul que tu vas... Oui. Bon, oh, alors, je t'explique, mon petit Poufi. Oui. T'avances pas trop, là. Oh, reste non. Là, oui. Oh. Je vais te donner ton lait fraise, d'accord? Oui. Tu vas me redonner le papier là, du mandat là. Non. Si, sinon sinon je vais le prendre de force. Oh. Oh non. Donne-le à Terrence. Oh. Je peux baisser les mains pour prendre le papier? Oui, tu peux. Dis Terrence, quand est-ce que c'est bon? T'as du whisky, Terrence, sur toi? Enfin, du lait fraise? Non, j'en ai pas. Non, je vais le dire avant. Voilà. Oui. Oui, oui, oui. Alors, oui, je t'ai bon. Peut-être donné ma vaccination. C'est bon? Oui. Et c'est bon, papier. Eh bien. Et mon whisky fraise? Oui, je te le donne, bouge pas. Fais attention à lui, dit Terrence, qu'il se sauve pas, ce petit, là. Parce qu'il a pas l'air comme ça, mais c'est un petit malin. Oui, je suis fut-fut, moi. Je suis plus fut-fut des fut-fut. Tiens, mon petit Poufi. Bois donc ton petit lait fraise. Bon. Je t'explique ce qui va se passer, mon petit Poufi. T'es pas bon. Le Poufi est pas content. Oui. Lève les mains. Lève les mains, Poufi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, mais j'ai un problème de cou. J'ai mal. Oui. Je t'explique, mon petit Poufi. Je t'ai roulé dans la farine. On t'a tous roulé dans la farine, mon petit Poufi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mis à part Pépé Grover, on a tous abusé de ta faiblesse et de ta gentillesse et de ta simplicité, mon petit Poufi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est moqué de toi, mon petit Poufi, sauf Pépé Grover. Pépé Grover, il t'aimait bien, il mais t'aimait beaucoup. Mais c'est pas gentil! Ben oui, mais bon... Mais Terrence aussi! On a besoin d'argent, mon petit... Merde comme toi, tardé... Oh, Terrence! Oui.
Vous croyez que tu m'aimais bien? Ben non, tu vois, ben c'était non. Un jeu. Alors je t'explique, mon petit Poufi, ce qui va se passer. Maintenant que je suis patron de la Boringtown, j'ai plus besoin de toi, tu me sers plus à rien, mon petit Poufi. Oui! Non, oui. Non. Si, si, oui. Si, oui, je te confirme. Ah oui, alors. Et donc, bah, je vais... T'es un poids pour moi, mon petit Poufi, maintenant. T'es un boulet, alors tu nous sers plus à rien. Donc, on va se séparer de notre employé, monsieur Poufi. Oh, t'es grade de 10 dans l'entreprise, c'est ça? Oui. Tu crois qu'une balle de lemain entre les deux yeux pourrait régler le problème, mon petit? Il vaut mieux que je lui mette un coup de hache, comme ça on croira que c'est les Indiens. Je sais pas. Oui. Dans pas le bête. Nez, peut-être. Pas bête ce que tu dis. C'est pas bête ce que tu dis, Terence. Bête. Bon. Oh. Mais c'était un plaisir de te rencontrer, mon petit Poufi. C'est pas une blagounette? Ah non, c'est pas une blagounette. Non, vous allez me faire du mal? Oui, absolument. Oui. Ah, c'est bon. C'est bon. Regarde si il respire encore. Sinon, je lui mets une balle. Hein. Ouais. Il y a encore un petit souffle. J'attends, juste éloigne-toi, Guy. Pas un coup. Ouais, je crois que c'est bon, là. Voilà. Je vais le scalper comme ça. Si on retrouve, on croit que c'est les Indiens. Je fais une petite antenne sur le front, là. Et voilà. Jeter son scalp au feu, là. Oui. Hop là. Bon, ben voilà, ça c'est une affaire rondement menée. Oui. Ben. Putain, salopard de gamin attardé. Putain, on l'a supporté pendant trop longtemps. Putain, j'ai quand même envie de lui mettre une balle entre les deux yeux. Non, sinon après, ils vont croire... Là, tu vois, ils se sont dit là, ouais, il est scalpé, coup de tomahawk. Et c'est les Indiens, tu vois. Oui, oui. Allez, hop. On se tire de là. Allez, on se casse. Salut, Poufi. Putain. Allez, ouvre l'œil, hein. Et je pense qu'on peut... le laisser par là. Personne n'ira voir dans cette maison, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, si quelqu'un est dans cette maison, c'est que vraiment il le voulait. Oui. J'espère qu'il aura apprécié son les fraises. Petit emmerdeur. Ah putain, il nous aura bien fait chier celui-ci, hein. Ah, du début jusqu'à la fin. Oui, il a fallu prendre sur moi. Il y a un Poppy McMurphy. Mais... Oh, j'ai une idée. Oui, on retrouve pas son corps. On dit qu'on est allé fêter... l'achat de la Boringtown Company dans un saloon là, oui, à Van Horn, qui était un effet bois, qui a dit qu'il voulait tuer McMurphy. Oui. Comme ça, ses soupçons iront droit sur McMurphy. Oui, c'est une très bonne idée. Par contre, le Williams, le Joe Williams là. Ah, il nous a vu partir. On va lui dire que, bah, de toute façon, j'ai un papier signé de sa main, hein, que je vais mettre au coffre de la banque en sûreté. Comme quoi, il nous a légué l'entreprise. Hein. Et puis, on lui dit que, bah, on lui raconte l'histoire, hein, qu'on sait pas où il est passé. Mais bon, j'ai peur qu'il soit un petit peu suspicieux. Je préférerais que, pour lui, on dise qu'on l'a emmené au bateau et qu'il est rentré à New York. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Je pense que cette hypothèse de Bobby McMurphy tient la route, enfin, que
eux, ils seront quand même suspicieux de sa part. Peut-être qu'il faut s'occuper de lui. De qui? De Yams. Oui. Moi, j'ai envie de l'acheter. Ça a l'air d'être une personne cupide. Lui dire que on le nomme contremaître de la Borington. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Oui. Attends, je vais tant qu'il nous chie. Tant qu'il nous chie pas dans les bottes. Oui, après si on sent qu'il est trop menaçant, on lui fera boire un lait fraise à lui aussi. Eh oui. Ben, ouais, qu'est-ce qu'on dit, hein? On le nomme contremaître. Contremaître à lycée. Voilà. Et puis, vous pouvez embaucher, vous, des gens ou pas? Moi, je sais pas. Parce que je ne sais pas à quel grade correspond le contremaître. Ça doit être le même grade que vous, non? Je sais pas, attends, laisse-moi regarder. Bon, désolé, Fanou, hein, on voulait faire autrement ce soir, mais on pensait le faire avec Seymour, mais il n'y a pas de grade, malheureusement, pas de numéro. Si tu regardes sur ton nom, c'est marqué sur ton nom. Dans le contrat, là. Attends, je reprends mon papier de Brington. On pensait pas Saint-Denis, non plus. Soit direction de maire de Saint-Denis, taxe 20%, revenu déposé à Saint-Denis. C'est tout. Ben. Oui, bon, on va le faire patienter un petit peu. Il faut qu'on se dépêche. Aller voir cette histoire de mine, là, du coup. Là. Ouais, c'est à 11h à Fort Wallace. Il faut y aller là-bas directement? Ouais. On y va direct. Peut-être voir à la mairie où ils en sont d'abord et puis après y aller. Oui, bon, il faut que je pose les papiers au coffre. Hein. D'abord. J'ai vu, j'avais encore des trucs importants là. Dans les poches. Je fasse un peu de tri. Il faudrait que tu me mettes Seymour et moi même grade que toi au cas où. Oui. Qu'on a fait. Et je pense qu'il faut être sur place, non? Dans les bureaux pour le faire, non? Aucune idée. Au pire, on verra demain. Oui, le problème, c'est que demain, je suis pas là. Je serai là que mardi. Détruit le papier là, que je lui ai donné. Ben, faudra le détruire, quoi, tu vois. Oui, j'irai le mettre. Ah merde, ça j'en étais sûr. J'ai plus accès au coffre de la banque. Et il faut que tu ouvres ton carnet à la page 7. Et après que tu l'ouvres à la page 8. Alors, ça c'est quoi? Ok. Ensuite, génie, hop, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je garde sur moi le papier comme quoi ça m'appartient? Mets-le dans le coffre, sait-on jamais. Oui. Si on se fait braquer, qu'il fouille tes poches et qu'il voit ça. Oui, c'est pas faux.
J'ai un vaccin aussi en plus. Je vais le mettre dedans. Oui, en parlant de ça, cet après-midi, j'ai appris que Monsieur Van Redwoodsen vendait des carnets de vaccination sans faire des vaccins. Tu m'as entendu ? Oui, attends. C'est pas nominatif. Allez, hop, c'est bon. Bon, pour le moment, vous continuez comme ça. Je vous nommerai, associé mardi. Oui, ouais, tu me diras, ça peut attendre. Si vous voyez Monsieur Williams avant moi, tiens, on va prendre mon cheval. Vous lui dites bien que, qu'il s'est barré, hein. Et qu'on est. Si. Je suis le propriétaire de. La Boeington. De toute façon, s'il pose pas de questions, je lui dis rien. Je pense qu'il voulait la lui acheter ce soir. Il lui avait proposé $300, je crois. Oui, et puis après, faites-lui comprendre que potentiellement, je ne sais pas, si on sent qu'à un moment donné, ça sent le roussi ou qu'on n'a plus d'intérêt à exploiter cette entreprise, on la lui cède, puis on se partagera les gains entre nous. Hein. Oui. Merde. Il est parti se coucher, Grover. Ok. Je ne pense pas qu'il a la stature pour prendre. Bonjour, monsieur le maire. Cornelius, monsieur le maire. Oui, comment allez-vous? Je n'ai pas Cornelius, non, c'est Charles. Monsieur Carfon. Le plus grand fidèle de monsieur le maire, effectivement. Mais. Non, c'est plaisant, on m'a dit que vous avez fait une dépression nerveuse. Ah oui, qui vous a dit ça? Je crois que c'est Théophile. Mais qu'il laisse faire poutre, d'accord? Mais c'est un enfoiré, celui-ci, moi je l'aime pas non plus. Vous le voyez, monsieur le maire, vous voyez ce qu'il faut? Ce qu'il dit sur moi? Oui, ce qu'il dit sur moi? Eh oui, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Petite question, messieurs, vous alliez à Fort Wallace peut-être? Oui. Très bien, si vous voulez, on peut faire le chemin ensemble. Eh bien, allons-y, il faut que je me rende de ce pas à l'écurie le plus rapidement possible afin d'aller chercher ma charrette. Parfait, bah écoutez, on vous suit, tu prends les rênes de mon cheval. Allez, montez avec moi, monsieur. Ou non, prenons directement le chemin. J'appellerai la charrette que j'ai sous la main. J'irai chercher la charrette que j'ai sous la main. Non, ça fait plaisir de voir monsieur Carfon, je pensais qu'il reviendrait pas. Pour quelle raison il a fait une dépression nerveuse? Je crois que c'est une connerie contre les autres shérifs. Oui, c'est révoltant, mais je pense que cela n'ira pas en s'améliorant si quelqu'un lui prend la tête à la main. Ma charrette est individuelle, malheureusement. Ah, oh, merde. Essayons de voir si nous pouvons... aller à Dieu. Non. Allô. Ah,
Effectivement. Ouais, je suis. Mais en route, monsieur le maire. On vous suit. Ah oui, là, faut bien suivre parce que ces charrettes, elles partent à toute vitesse. Hein. Oui, effectivement, oui. Bah, tu connais la route, sinon, toi. Oui. Attends, je te mets un point sur la carte, si tu préfères. Bon, je vais, moi, j'ai un breton, ça devrait aller assez vite. Putain, la vitesse, où est la charrette. Ah, mon cheval va être cané avant d'arriver, là. À la vitesse où il va. Pas grave, on fera du tout droit. Ça aurait peut-être mieux que ce soit toi qui prenne les rênes, tu connais mieux la région. Bah arrête-toi. Aïe. Putain, ça va qui t'as démarré trop vite, couillon, j'ai glissé. Attends. Oui, voilà, je te tiens bien là, c'est bon. Ça va pas faire un peu trop tard pour toi? Écoute, au pire, je m'éclipserai. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, c'est le nez? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il est parti. La perchette sur d'étalée. La perchette sur d'étalée, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le maire? J'ai malheureusement reverché quelqu'un et. Ben, il est parti. Ah ben, bien chaleur. J'ai l'impression que la... Il y a un fils, j'ai bien l'impression d'être coincé. Allez faire demi-tour plus loin, sinon. Hein. Je crois que la marche arrière est cassée. Mais... Qu'est-ce que j'ai que ça? Oui, voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, sinon, sur Kirfun? Il m'est arrivé beaucoup de choses, effectivement, mais le bureau du shérif, c'est révolté, vous voyez. Moi, j'ai rien compris. Le bureau du shérif, c'est révolté. Ah oui, ils ont fait un punch. Effectivement, allons-y. Un quoi? Ah oui, quand tu renverses quelqu'un, on n'appelle pas ça faire un punch. Non, un putsch. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit un punch. Gaffe, parce qu'il me fait peur, le maire. Oui, c'est pour ça que je reste pas sur la route. Tu te sens pas libéré, toi? De... D'un point. Si. Ça fait du bien, non? D'un certain côté, il me faisait de la peine, je commençais à l'apprécier, mais d'un autre, putain, ces conneries, j'ai envie de l'étrangler. On les a tracés ou quoi? Oui. Mais vas-y, hein, prends de l'avance, hein, parce qu'il va nous rattraper. Oui, je pense. Et il faudra rien dire aux vieux. Hein. Faudra dire que finalement on l'a mis dans le bateau et il est reparti. Voilà. Ah, dommage, j'aurais préféré accuser McMurphy. Écoute, là. Le problème c'est que. Oh, ça m'étonnerait qu'on retrouve son corps. Hein.
moi je pense qu'il faudrait plutôt dire qu'il est reparti à New York. Bon, on fera ça. Et par contre, il va falloir qu'on se serre les coudes, hein, Terence, maintenant. Oui. Enfin, je parle tous les deux, quoi. C'est pas parce qu'on se taquine qu'on allait se faire des grosses crasses. Je ne serais pas aussi sûr que vous. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pour dire. Je trouve ça très rabaissant d'appeler les Mexicains les tacos. Je préfère preuve d'imagination quand même. Après c'est des métèques hein. Oui, mais métèques, et ce serait plus approprié, je pense, dans la sortie de la bouche d'un crieur. Plutôt que tacos. Mais il me crève pas mon cheval, hein. Ah non, non. Je le laisse récupérer. En tout cas, vous jouez sur mon chouchou, hein, monsieur. C'est mauvais, j'aurais fait une coalition avec le shérif pour vous enlever du coup. Qu'est-ce que c'est qu'il t'a donné en cadeau? $50. Ouais, cadeau, mais toi qui n'avais plus d'argent. Ouais, j'ai pas pensé à les mettre à la banque, j'aurais dû. Oui. C'est bien pour toi que tu vas pas te faire braquer. Oh, avec la chance que j'ai. Oui, ça ne devrait pas arriver. Bon, ça va, hein, ils nous ont pas tracé. Hein. Parce que tu connais bien la route. Ah, oh, monsieur le maire. Il a fait des chutes. Attendez, peut-être qu'il s'est fait toucher en oui, fait. Oui, justement. Attendez, monsieur le maire, la réunion va se terminer. Oula. La réunion vient de se terminer. Oui, oui, les messieurs de la voiture sont partis. Valentine fait désormais partie officiellement du comté de la voiture. Et Rhodes nous a parti. Très bien. Et nous allons, je ne sais pas, à Tapelwid, au contact de chez Navarro. On tue Granry. Tu m'as coûté que $5, mais tu en vendais beaucoup plus. Comment se fait-il que Granry est mort? Ah non, il est vivant. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Millard? Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, comme d'habitude, nous avions eu des réunions comme la dernière fois, et Grain de Riz a décidé de s'acquérir un des chiens du fort pour le manger. T'es faux. Complètement déplu personne ici, et on a décidé de... Théophile. Encule Théophile. Ah. Jamais passé devant quelqu'un qui tire, Gandry, jamais. Bah tais-toi qui t'es mis en cul. Théophile. Et concernant les Navarro, Milord, du coup. Bah écoutez, partez d'ici, messieurs, écartez-vous. Allez, messieurs, que tous ceux qui veulent retourner à Saint-Denis montent dans la carrette. Il faudrait voir avec monsieur Burke. Monsieur Burke. Oui. Théophile en cul. Concernant les Navarro, mes hommes demandent si vous avez besoin d'aide ou pas. Oui, si on a un ou deux renforts. C'est pas trop pour les Navarro, c'est plus la traversée du pays. C'est quoi le but de l'expédition là? C'est d'aller les rencontrer sur leur territoire et de leur laisser une dernière chance de changer d'avis. Parce que là, ils ont pris possession des mines de Tumbleweed et... Je n'ai pas vraiment envie de monter finalement. C'est ça. Comme nous avons plutôt des bons rapports avec eux, en tout cas en ce qui me concerne, on peut peut-être encore les faire changer d'avis. Ah bien, bon. Ah, monsieur Cavendish, mon cher. Ça fait des bons rapports, ils m'ont quand même scalpé, Théophile. Et je m'occupe de des disques sûrs. Oui, là, j'ai l'impression d'être le fils caché du maire. Oui. Regardez, monsieur le maire. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Mais qui vous affiche là? Les Navarro.
Monsieur, si vous pouvez partir d'ici. Je vous enfoncez, cela vous va très bien. Hey, écartez-vous d'ici. Oui, mais je préfère comme celle-là. J'aimerais tant monter sur votre cheval. J'ai chevauché tellement de courage de rempart que j'ai pu acheter de mémoire pour les côtés. Que je m'achète. Et parce qu'il s'habite de Timberwind hein, directement, c'est comment dire un peu les nôtres, hein, vu que nous êtes dans le Poufi pour. Oui, effectivement. Ah bah. Ouais, t'es cœur. Je l'ai dit fortement quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Il y a 30 ans. On y va ou pas? Comme vous, vous voulez, c'est en fonction parce que ça va durer un petit moment. Hein. Non, la profession. Oui, bon, pas la profession. Ou alors j'y envoie Terrence et je rentre à Saint-Denis. Vu l'heure en même temps, oui, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Charles, vous n'avez rien à. Vous êtes en train de dire que ma femme de chambre était votre mère. Ah oui? C'est toi, mon vrai papa? C'est toi, mon fils? C'est moi, papa? C'est incroyable! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que monsieur le maire, c'est mon vrai père. Hein? J'ai rencontré sa mère il y a une trentaine d'années à Boston. Elle était femme de chambre. Et... Ouais, c'est un déplacement entre Boston et Washington. Bah, ce serait Saint-Denis, monsieur. Rigando. Papa. Ça sera Saint-Denis, c'est ça? Oui. D'accord, donc personne va voir les Navarro? Je sais que il veut d'abord rentrer à Saint-Denis et ensuite. Ok. Et ensuite aller voir les Navarro. Ah. Apparemment, il y a des soucis à Saint-Denis. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, justement, on ne sait pas. Tiens, montrez-moi sur ma carte la route, s'il vous plaît, Milord, sans vous commander. Milord. Oui, dites-moi. Il faut régler ce problème de mine à Tumbleweed. Hein. Ben oui, tout à fait, sinon M. Duffy va pas être content. Hein. Il va de nouveau rentrer et faire pas content. Oui, oui. M. Puffy, il est remonté dans le bateau, il est reparti à New York. Hein. Ah! Oui. Et si vous avez laissé des documents? Oui, je suis officiellement le nouveau patron de la Boeington Company, mon cher. Ah d'accord, ok, parfait. Voilà. J'ai les papiers en bonnet du fort, signé de sa main. Cédé contre ma fortune personnelle. À savoir $500. Ah oui, tout de même. Oui. Je vous cache pas qu'il faut qu'on trouve une solution. Hein. C'est dans notre intérêt. Hein. Oui, non, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'ai mis l'acte de vente au coffre de la banque. Hein. Oui, pas de soucis, ça. Je me dis que vous avez fait les choses proprement. Gérance s'avère être le fils de Monsieur Tucker. Effectivement, Terrence chez mon fils. Mon fils. Mais du coup, vous avez deux fils, tout à l'heure, étant donné qu'il y a son jumeau, hein, je vous rappelle. Oui, je me l'a dit, je savais qu'il avait un frère. C'est là où je veux dire que j'ai désormais deux fils. C'est une grande nouvelle pour la lignée Tucker, monsieur. C'est une grande nouvelle. Mais toutes mes félicitations, en tout cas. Messieurs, faisons route vers Saint-Denis, je pense que nous avons du pain sur la planche. Oui, allons-y, messieurs. Hey, hop. Vous avez eu des informations concernant cette entrevue avec les petits pois, là? Bah écoutez, apparemment rien de particulier. C'est eux qui sont venus pour prévenir que les gens de Blackwater allaient, comment dire, nous la faire à l'envers. Oui. Et comme je l'ai dit, hein, j'ai l'impression que quand on écoute tout le monde, joue double jeu, en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et comme je disais, c'est quand même drôle que des Indiens qui nous assiégeaient il y a deux jours de cela viennent nous prévenir en toute amitié de faire attention. Je fais désormais partie du Blackwater. Hein?
Oui, monsieur Goldspeed, d'ailleurs. Je ne sais pas quelle route ils prennent, mais je vais suivre. Eh bien, ma chère, elle part en marche pour leur route. Messieurs, est-ce que c'est pas sur Saint-Denis que nous devons nous rendre ? Eh oui, et de l'autre côté, me semble-t-il. Vous allez bien, monsieur ? Demi-tour, monsieur le maire. Messieurs, pourquoi est-ce qu'on va plein nord ? Monsieur le maire a dû prendre des choses bizarres. Ah merde. Pourquoi merde? Vous avez votre crieur? Oui, pourquoi? C'est quoi le problème? Mais non, mais c'est parce qu'en fait les McGuire voulaient, braquer la banque ce soir. Oui. Mais le problème c'est qu'on était avec ce fameux rendez-vous qui était extrêmement urgent qu'on devait régler. Du coup on leur a fait comprendre que c'était compliqué. Et ils ont gentiment laissé tomber et du coup je leur ai promis que si vous voulez ils pouvaient passer demain. Mais du coup ils ne sont plus là. Mais félicitations au grand Bad Bayer. Oui, c'est un grand guerrier en même temps, hein. Je ne suis pas surpris. Oh putain. On a de sacrés shérifs, hein, ils sont... Non, c'est monsieur Tucker. Non, mais faut arrêter les charrettes. Hein. Bah nous les charrettes, on n'a pas ce problème. Hein. Ah oui, bah, vous avez bien de la chance, je sais pas moi, que ce soit des shérifs ou des maires, il y a toujours un problème. Et monsieur Godmich, où c'est qu'il est, Grainerie Saint-Vin ? Ils ont dû partir avant nous. Bien avant nous. Qu'est-ce qui se passe de temps à Saint-Denis pour que vous soyez... Il y a eu un message d'un shérif, un message codé d'un shérif. Ah, d'accord. Ah bon ? Rapprochez-vous, Théophile. Quel est ce message ? C'était il y a déjà un quart d'heure, c'est pour ça qu'on est pressé de rentrer. Oui, allons-y. Je suis con, je cherche à trouver mon papa. Eh bien, pareil, bon. Si vous permettez, moi cher Brigandeux, je vais juste me reposer sur votre épaule des petites minutes. Mais je vous en prie, Milord. Eh bien, c'est parti. J'en discute trop très rapidement.
le fils bustier de la rue des Serins, ou je ne sais plus trop quoi exactement. Allez, j'y comprendrai quelque chose. Ah, on ne m'encule pas, eux. Allez, on rentre. Bon, je pense que l'adjoint aura eu le temps de se faire tuer au moins 57 fois. Espérons qu'il lui soit rien arrivé. Hein. Bon, ben moi je vais rentrer à Saint-Denis et puis je pense que je vais arrêter là pour ce soir, il est déjà 23h. Je rentre bien, j'ai bien compris, m'en fous, allez. Je crois que le cheval de monsieur le maire s'est emballé. Hein. Encore ? Encore ? C'est monsieur le maire qui est emballant. Je sais pas, vous alliez vous arrêter de la sorte, des fois plus barré. Et comment va monsieur Berck ? Ça va. Tiens, le grand héros de Saint-Denis. J'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. Bonjour, monsieur Brigardeau. C'est toujours un plaisir de vous voir, hein. Ah ben toujours, c'était un ravissement. Si vous voulez voir ces enculés de Maguire, ils sont tous en place publique, allongés au sol, dans une mare de sang. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que nous attendons, allons-y. Où ça? À Valentine. Ah oui, mais c'est beaucoup trop loin. Ah oui, mais non. Eh bon, je te félicitations. Félicitations, grand guerrier, pas de Bayard, hein. Merci beaucoup, hein. Et Papounet, je crois qu'il mérite une médaille, Pataillou. Exactement. Moi, vous avoir débarrassé de cette sage race de Maguire. Eh bien, enfin, j'ai envie de vous dire. Attendez, vous rigolez, je suis tout seul, t'avais combien de temps? Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez tout mon respect pour cela. Merci beaucoup. D'ailleurs, avoir rencontré, vous savez, monsieur le Pantopitio. Faudra qu'on discute, monsieur le maire. Très bien, mais... Pour l'instant, contentons-nous de nous rendre sur Saint-Denis, messieurs. Très bien. Allez, ça va. Je vous souhaite bonne soirée. Oui, bonne soirée, Grips. Bonne soirée, monsieur Grips. Au revoir, monsieur Grips. Eh bien, allons-y. Ah, ma magnifique banque, elle m'a manqué. Monsieur le maire,
je vais descendre du cheval. Oui. Je vais envoyer Petra, Milord. Faut qu'on discute quand même vite. C'est bon, reste là. Quoi, comment t'as? Je vais discuter de quoi? Bah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah, non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es défonte? Pas du tout. Oh putain, il me fatigue des dents. Eh ben moi, j'irai bien dormir. Attendez, qu'est-ce qui lui est arrivé, monsieur Témoin? Attendez, monsieur Gauchepit. Ah, c'est bon, oui, bah, C'est Guy, hein. Oui, allons reparler. Oui, t'as dit Guy. Oui. Non, j'ai pas su prendre une décision avant de vous envoyer en tant qu'émissaire. Qu'est-ce qui lui arrive? Je pense qu'il a un petit peu... le voyage a été long et il est fatigué. Ah, délité. Il y a plein de choses que nous devons nous dire. Effectivement. Où est-ce que nous allons? Allons dans mon mur. J'ai envie de dire à la nouvelle mairie, mais le pont n'a pas encore c'est été rien, construit. Il y a rien, il y a un petit coup de fatigue. Genre, ouais. Oui, c'est Moi, je vais aller me coucher, peut-être. T'insérer dans le convoi pour les négociations. Hein, c'est oui, nous avons un... J'ai un bateau de mon côté, hein, monsieur le maire aussi. Nous allons préconiser un grand bateau de transport. Allons-y. Ah, mon cheval est très difficile, oui. Montez derrière Théophile. Bon, messieurs, je vous laisse. Moi, bonne nuit, bonne soirée, et puis à bientôt. Pensez à la mine de Tumbleweed, hein, messieurs. C'est important pour la prospérité de notre belle ville. Très bien, parfait. Allez. Vous pouvez compter sur moi. Bonne nuit, Perrault. Bon, moi, je vais faire pareil, de toute façon. Alors, pourquoi tu me poses cette question? On va dire qu'on pourrait peut-être avoir des alliés. Et qui serait contre la mairie? Ah non! Contre tous les Kiowa, hein, tous les natifs. Et les qui cela? Le problème, c'est qu'on a eu des problèmes avec eux auparavant. Et vous aussi. Eh ben dis-moi, dis-le nous. Bon, les Mexicains, monsieur Pantopito, en puto culo. Ouah, vraiment des problèmes? Je sais pas si on a vraiment eu des problèmes avec les Mexicains. Ah, vous êtes quand même fait vider vos banques par les Mexicains, oui. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont braqué une fois, Milord. Bon, après, ils ont pas volé grand-chose, je crois. Oui, disons que ça s'est passé différemment que les Apaches. Hein. C'est vraiment aux Apaches que j'en veux. Hein. Enfin bon, Pantopito m'avait partagé un projet pour la ville d'Armadillo. Et de pente que si vous vous enfoirez là-dedans, vous pourriez les niquer en beauté, monsieur Cavendit. Eh ben, dis-moi tout. C'est-à-dire que, monsieur Pantopito, vous voudrez faire en sorte, dès que le gouverneur est élu, de supprimer les dollars au sein d'Armadillo. Et tout le monde paierait en or. Sauf que pour que tout le monde paye en or, il faudrait absolument que vous travaillez avec eux. Au vu que vous êtes les seuls à avoir la possibilité d'obtenir pièces d'or, oui. Eh bien, ce serait avec grand plaisir, mais du coup, je me posais la question avec tous ces changements avec les Mexicains, si justement, ils n'allaient pas aussi avoir un accès à l'or pour l'exportation et la transformation. Absolument pas. Par contre, ils vont le revendiquer forcément. Et avoir entendu parler de quelque chose tout à l'heure. Apparemment, il y aurait la mine à Tumbleweed. Oui. Oui, il y a la mine de Tumbleweed, oui. Je pense qu'ils vont la revendiquer aussi. Bah, pour le moment, c'est les Navajo qui la revendiquent. Oui, et puis elle appartient à la Borington Company. Hein. Oui, enfin. Si t'as une bande de guerriers qui sont 8 autour, on ne pense pas que tu vas faire grand chose sur leur territoire, oui. Il va falloir trouver accord. Et toi, tu vas pouvoir trouver accord et les niquer en beauté, Cavendit. Oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse.
C'est-à-dire que tu pourras devenir encore plus putain qu'actuellement. T'imagines encore plus rite. Ah, mais faut être sûr qu'ils ne peuvent pas transformer de l'or, hein, les Mexicains. J'en ai un gros doute quand même. Hein. Non, parce que lui, être renteigné, être persuadé que lui ne pas pouvoir. Bah alors, effectivement, faudra que j'aille les rencontrer alors. C'est-à-dire qu'ils seraient peut-être disponibles maintenant, dis-moi, de te mener à eux directement. Vous pouvez prendre tout votre équipage, il n'y a pas de problème, monsieur le Cavendit. J'ai juste envoyé télégramme pour qu'on les rencontre. Bah c'est très simple, je n'ai plus personne. Et moi, je vais devoir aller me reposer. Brigando va aller dormir et Terrence a décidé de se lier d'affection avec la mère. Et vous? Bah du coup, moi je suis tout seul. Bon, maintenant, si vous êtes protégé par le grand guerrier... De toute façon, on a bien dit à monsieur Pontopitio, Guy, que si le rendez-vous se passait mal et qu'il faisait du mal à monsieur Cavendit, de les retrouver et de les tuer tous. Oui. Je vous assure que je l'ai dit alors qu'ils étaient 15 Mexicains devant mes yeux. Écoutez, Milord, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je peux faire le déplacement, ça c'est pas le problème, mais il faut que je réfléchisse à comment bien négocier la chose, c'est juste ça. Ah bah de toute façon, il va falloir les niquer sur le tout. Hein. Mais justement, c'est ça qui est compliqué, c'est que je veux bien aller me lancer là-dedans, mais j'ai aucune idée des informations qu'ils ont, de avec qui ils travaillent, et c'est ça qui est compliqué pour négocier avec eux du coup. Hein. Je pars vraiment désarmé, hein. J'y vais à poil. Hein. Au moins, écoutez ce qu'ils ont à dire, peut-être déjà dans un premier temps, Milord. Alors moi, je peux te donner information, être persuadé qu'ils n'ont aucun... Vu qu'ils sont en guerre contre la plupart des tribus, eux n'avoir aucun accord pour l'or. Donc ne pas avoir accès à l'or, exactement. Dans tous les cas... Effectivement, je pense que la meilleure des choses est d'écouter monsieur de Cavendit avant de donner la moindre information, oui. Oui, voilà, c'est y aller les rencontrer, entendre leurs revendications, puis vous leur dites que vous vous laissez un temps de réflexion, et puis voilà. Mais effectivement, on peut faire cela, mais écoutez, ça me va battre Bayard. Nous dit allons, monsieur Cavendit. Pensez, alors... Milord, que la mine de Tumbleweed est très importante pour la Morrington Company. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Ben, je pense que la meilleure des choses est justement de parler de cette mine et ce qu'il compte en faire exactement. Et ce qu'il compte en faire du peuple Navarro, oui. Est-ce que... On peut le mettre dans la confidence, de toute façon, il apprendra tôt ou tard, Milord, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, de toute façon, c'est pas un secret, donc oui, allez, j'ai dit. Ben, mon petit Pat Bayard, tu as devant toi le nouveau patron de la Borington Company, moi-même. Bah, j'étais plus monsieur Cavendit. Ça n'a jamais été. C'était oui, mais attention, il faudrait qu'on en discute de cela, d'ailleurs, monsieur Brigando. Pourquoi? On en parlera d'une autre façon. Ah ouais. Putain, t'es des gades. Ah tiens. Oh, c'est vraiment un porc, hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire, là? Comment ça, c'est vous le patron de la Borrington? Bah, attendez. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était moi le patron, mais il faut qu'on en discute, parce que c'est un cas complexe. Non mais t'as compris, on est tout en train de mettre sa brindille sur le bureau. T'es moi le patron de la Borrington Company. Oui voilà, c'est ça, tout à fait, bravo. Oui. Bon, ok. J'espère ne pas avoir fait tout ça pour rien en tout cas. Non, vous l'avez pas fait pour rien, mais Il faut qu'on en discute, on en discutera. Juste Allez. Avant que vous alliez dormir, on en discutera rapidement. Oui. Hein. Bon, très bien, je vais aller dormir. Bon bah d'accord, Bette Bayard, envoyez une lettre et revenez d'ici 5 minutes si vous voulez bien. Oh, très bien, vous pouvez m'inviter à la conversation si vous voulez. Oui d'accord, ok. Et bonne nuit monsieur Brigando, je vais vous passer un petit coup de fil. Oui, ça marche. Papier, à tout de suite. Plus en avoir. Hein? Toi avoir papier, moi plus en avoir. Oui, j'ai ça.
Bon, allez, hop, je vais me coucher, moi. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit. On va débrief, là. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous donne rendez-vous pour la suite. Ça sera mardi soir, demain je suis pas là. Bonne nuit, et puis soyez sages. Je vous fais des bisous. À plus. Ciao.